Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le talk sur webgirondin.com, sur la chaîne YouTube de Webgirondin, sur Facebook et sur Twitch. Je suis ravi d'être avec vous. On va débriefer l'actualité des Girondins pendant 90 minutes au moins avec ce soir Monsieur Capitaine Conan, je commence par lui, qui est à la tête du chat et qui est là et qui était hier au débrief. Salut Conan. Salut Nico, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Un petit merci à Samuel quand même, grâce à lui, ma candidature a été retenue pour une nouvelle émission. N'oubliez pas l'émission justement. J'ai entendu ton taillage que tu m'as fait lundi dernier. J'ai été pris, désolé. J'ai la ref. j'ai passé la sélection, tout ça qui a été bonne. Et derrière, après, ils m'ont donné plein de trucs et tout à faire. Donc, j'étais à fond dans la préparation pour continuer les sélections. J'en ai deux à faire encore. Ah oui, tu sais que les spectateurs du talk se demandaient où tu étais, Conan. Hein. C'est quoi? N'oubliez pas les paroles sur Nagui. C'est ça. Tu as chanté quoi? Tu as chanté du coup? J'ai chanté la chanson de Renaud, Toujours debout. D'accord. Et bon, est-ce qu'on lui demande de chanter là? Je sais pas là. Il faut la musique, il faut que tu prépares la mélodie, tu vois, sans les paroles. Je préfère voir l'émission. En émission, tu verras, ça sera mieux. Il y aura la scène, le public et tout ça, ça sera plus intéressant. Allez. Une chanson que tu pourrais pas chanter, mes chers. Grigersen plutôt, Grigersen. J'allais dire un truc. On aurait pu chanter les corons. Il est là, monsieur Jonathan D'Agostino. Salut Joe. Salut, bonsoir à tous. Monsieur Gino Forte, salut Gino. Salut Nico, salut à tous. Et monsieur Samuel Vasselin du Club des 5. Salut Samuel. Bonsoir à tous. Bon, messieurs, merci d'être là. Salut à tous, je vois que vous commencez à vous connecter là. Déjà plus de 200. Merci à vous. Envoyez du like, partagez cette émission qui est faite avec le soutien des sociaux que je remercie. Que nous remercions. Merci à vous. Je vous affiche le sommaire, messieurs. Oui. Les fidèles aussi qu'on croise au stade, hein, Nico. Je disais oui, aussi Max et Samuel que j'ai croisé là en avant-match, super gentil. Et on a beaucoup de mots sympas de votre part, donc ça fait vraiment plaisir. Ouais, j'ai tellement de noms, Ben, Cédric, Esprit Girondin, que j'ai croisé au match des filles l'autre jour. Ça a eu l'occasion de saluer Patrick, Philippe, Antoine et tous les autres. Voilà, j'en oublie certainement. Allez, le sommaire, messieurs, puisqu'on a une grosse émission, hein, grosse actualité avec le match, les infos sur Mbaynyang. Alors, je vois qu'on a mis. On veut tellement un attaquant qu'il y a 3 T à attaquant. Je suis en train de voir. Parce qu'il attaque, quoi. Il faut que ça attaque. Voilà. Bordeaux-Lens, les enseignements, tableau d'honneur, débrief. Le projet de jeu de Petkovic, je pense qu'on va en parler en même temps, certainement. Messieurs, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, c'est ça qui m'a sauté aux yeux, donc je souhaitais qu'on en parle. On en a parlé hier dans le débrief. Retour sur l'interview d'Anmar Lopez dans Sud-Ouest. C'était avant le match. Un long entretien. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Les Girondins se cherchent un attaquant. Dernières infos, Mbaynyang. L'équipe dit ce soir qu'il est attendu demain à Bordeaux. Attention, rien n'est fait. On en parlera tout à l'heure. Donc, oui. Ça discute. Les derniers qui sont venus pour la visite médicale, ils n'ont pas signé. Hein. Voilà. Exactement. Ils sont encore là, d'ailleurs. Non, ils sont repartis. On salue Mostafa et on salue Porozzo. Et enfin, on parlera de Saint-Étienne-Bordeaux. Déjà un match à 6 points, messieurs. 6 points. Hein. Bordeaux 20e avec 2 points. Saint-Étienne 19e avec 3 points. Si on perd contre Saint-Étienne, on se retrouve assez loin déjà. Donc voilà, donc on va en parler. Est-ce que ça vous convient ce programme? Excellent. Excellent. Bon, bien, Gino, avant de commencer, tu étais au stade? Quel est comment tu as vécu ton match au stade? Non, très sympa, avec beaucoup d'ambiance de la part des Lensois, hein, qui étaient venus en masse. On les a vus, on les a croisés à aucun compte déjà, qui étaient vraiment très très nombreux. Beaucoup sont venus, bien sûr, avec le cop des supporters, mais pas que. Il y a beaucoup d'affluence au niveau de ces supporters qui sont assez fidèles. Et puis du côté des Girondins quand même, parce qu'il faut pas l'oublier, on a eu des ultras qui ont rendu un magnifique hommage à Mika, donc l'ultramarine, avec un tifo que vous avez vu qui a été extraordinaire. Et l'ambiance a été très très belle une fois de plus. Donc oui, on n'est pas excessivement nombreux, on aimerait être plus, mais la base qui est là, elle est quand même présente et elle supporte énormément l'équipe. J'ai envie de dire parfois même trop, c'est-à-dire qu'on est dans le supporterisme vraiment où on encourage énormément et je trouve ça très beau de notre part.
Et des fois, on devrait un peu plus tenser les joueurs de manière un peu plus véhémente pour ma part. Mais sinon, c'était une bien belle ambiance, encore une fois, à Galice. Allez, messieurs, on va saluer notre partenaire. Et j'ai vu qu'il était sur le chat, Johan du Château Enclos au Mazerque et sociaux aussi. On le remercie. Profitez-en, là. Participer à ce jeu. Pourquoi ? Parce que c'est la dernière émission où vous avez la possibilité de gagner deux visites dégustation pour 5 personnes. Donc c'est le Château Enclos au Mazerque à Pomerol. Vous avez son numéro si vous voulez aller visiter, puisque c'est payant, les visites dégustation. Là, on vous en offre deux pour 5 personnes. C'est quel est le nom du dernier buteur des Girondins face à Lens ? Ça va, c'est pas trop compliqué. Donc les deux premiers qui m'envoient la réponse, mais j'ai déjà un gagnant. Alors là, il a été hyper rapide. Thierry. Mais Thierry, t'as gagné. Et on va voir si j'ai le deuxième en direct. Sinon, je le donnerai tout à l'heure. Je rappelle que la consommation d'alcool est bien sûr dangereuse pour la santé. Et c'est à consommer avec modération. Bien entendu, ne noyez pas votre chagrin dans l'alcool quand vous voyez les matchs des Girondins, surtout pas. Mais allez découvrir ce beau château et le bon vin que prépare Johan et son équipe au château Enclos au Mazerque. Voilà, on le salue. Allez, messieurs, c'est parti pour les enseignements. Je ne sais pas qui c'est le plus chaud d'entre vous. Tiens, j'ai envie de commencer par Samuel. Toujours Samuel. Des mauvaises réputations. Non, je ne sais pas. Non, mais je sais pas si tu es chaud en plus. Non, j'ai vu sur Twitter, tu n'étais pas trop énervé, ça allait. Si, pas énervé, mais assez déçu, assez frustré, ces premiers enseignements de toute façon de l'approche du match. Pour moi, je le disais depuis le début, j'allais être très clément avec Petkovic jusqu'à la J5, donc jusqu'au match d'hier, parce que il y avait pour moi une sorte d'espèce de préparation sur ce mois d'août où il devait apprivoiser et vice-versa son groupe. Là pour moi on arrivait à du concret, il y avait une trêve internationale qui permettait du coup de démarrer le cycle, de préparer pas mal de choses qui devait permettre surtout voilà, de travailler et voilà, entre le moment où il a pondu la composition, enfin on nous a présenté la composition d'équipe qui pour moi me semble quand même très au-delà du fait qu'on puisse me dire ouais Petkovic c'est pas forcément un coach qui joue, il aime avoir une certaine sécurité, mais je trouve surtout que la complémentarité des profils est pas excellente, notamment au milieu de terrain. Je suis assez surpris de revoir un joueur comme Mecher jouer 90 minutes avec les Girondins de Bordeaux, même s'il y a des suspensions, des absents, des Covid décidés là. J'aurais n'importe qui d'autre, mais surtout pas lui, parce que et pourtant il fait pas un mauvais match, hein, faut d'ores et déjà le dire. Enfin, il fait pas un match catastrophique comme il a l'habitude de nous en pondre. Mais ne serait-ce que pour le principe, ce groupe-là doit être cassé, comme le disait Philippe. Il n'y a pas longtemps, il y a certains joueurs qui ne doivent plus jouer pour Bordeaux. Mecher, il y a 15 jours, était dans la soute de l'avion pour partir à Boavista. On n'a pas pu, pour des questions de si je ne dis pas de bêtises, c'est le joueur qui n'a pas voulu. Mais voilà, mais je veux dire, il n'était plus dans les plans de l'équipe. On voulait l'envoyer au seul club qui pouvait l'accueillir. Et il est titulaire, je n'ai pas compris. Et encore une fois, si il avait été titulaire, mais que derrière, il avait une cohérence et un match plutôt solide de sa part, je veux bien. Mais ça n'a pas été le cas. Et s'il y a beaucoup de joueurs qui ont montré ce visage-là, en plus des choix dont séduit, il y a les prestations. Et la première mi-temps, c'est pas possible de proposer ça. Et c'est le deuxième enseignement, j'y viens, c'est que oui… Alors franchement, c'est vrai que les deuxièmes mi-temps entre Marseille, entre Lens, c'est vrai qu'en tant que supporter devant sa télé, c'est beaucoup plus sympa que les matchs d'avant, que les saisons d'avant. Mais le problème, c'est que moi, jouer 45 minutes par match, ça ne me va pas non plus en fait. Et que ça, c'est un gros, gros, gros souci. Alors oui, encore une fois, on a l'émotion, mais il va falloir du concret, il va falloir à un moment donné un peu de maîtrise. Il sait très bien gérer les matchs Petkovic, mais il va falloir qu'il gère aussi la préparation des matchs. Parce que l'idée n'est pas toujours de rectifier ce qui ne va pas, mais en cours de match, mais d'essayer justement avant le match, pardon, d'aligner la meilleure équipe. Et puis le dernier enseignement, comme ça on finit sur une touche un peu positive, c'est la deuxième mi-temps. Et la deuxième mi-temps, moi je vais l'individualiser par un homme, c'est Yacine Adli, que j'ai vu transcender vraiment sur une deuxième mi-temps, qui est rentré, qui a joué un poste beaucoup plus haut qu'on ne voyait plus depuis longtemps à Bordeaux, a beaucoup amené, notamment dans la transition. Il est quasiment au départ, voire
à l'avant ou à la dernière passe de chaque occasion bordelaise. Donc, j'ai trouvé sa deuxième mi-temps très intéressante, au même titre qu'un Dilrosun qui semble enfin être un Dilrosun qui semble enfin être un joueur capable de prendre des initiatives à Bordeaux. Mais voilà, donc c'est la petite touche positive d'hier, mais elle ne nous a pas permis de ramener un point. Et quelque part, c'est mérité parce que par rapport aux deux points que j'ai cités, se planter comme ça sur 45 minutes, c'est pas possible. Merci Samuel. Monsieur Jonathan D'Agostino. Bah, c'est compliqué de tirer des éléments, enfin de faire, on va dire, d'être impartial par rapport à ce qui s'est passé encore ce week-end. On était tous, je pense, très colère, de toute façon, après du match et notamment après la première mi-temps. Même si on revient, même si on avait terminé sur un 2-2, on n'aurait pas été satisfait du match, clairement, je pense. Moi, le premier point, c'est quand même très dur d'être patient quand on bat des records de nullité et de frustration depuis des années et que ça continue malgré des changements importants comme on a eu là ces dernières semaines et ces derniers mois. La patience a quand même beaucoup de limites. Je me trouve très patient malgré tout, même si effectivement Petkovic, les joueurs qui sont arrivés, on peut pas leur jeter la pierre sur tout. Mais à un moment donné, quand tu vois la fin de première mi-temps, on n'est pas loin du 3-0 encore une fois. Quand tu prends un but, tu baisses, t'en prends un deuxième 4 minutes après sur les mêmes erreurs où t'as un mec qui est tout seul sur un centre et un corner, etc. Moi, c'est quelque chose à ce niveau-là qui m'agace fortement. Déjà, au niveau amateur, ça peut m'agacer fortement. Mais alors, au niveau pro, pour moi, je trouve que c'est une faute professionnelle, encore une fois. Mais voilà, je trouve que c'est compliqué d'être patient malgré tout. On essaye, mais ça va commencer à être très compliqué. Le deuxième point, c'est que moi, pour moi, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été en mesure de gagner ce match, encore une fois. Même si on est revenu au score, je me demande quand est-ce qu'on aura vraiment le moyen de gagner un match. Je me pose vraiment cette question-là. Alors, on sent que le mal dans ce club est très, très profond. J'ai toujours dit depuis des semaines et des mois que ce club, pour moi, il est malade et qu'il est gangréné par beaucoup de choses et plein de mauvaises choses qui sont encore présentes. On ne s'est pas débarrassé encore de tous les microbes et des maladies qu'il y avait au sein de ce club. On le capte, hein, de toute façon. Et il y a plein de choses. On peut en parler de plein de choses, de tout ce qu'il y a autour, de toute façon, même autour du club. Il n'y a pas que la direction, les joueurs, le staff. Il y a plein de choses autour qui, malheureusement, on sent qu'il y a encore des mauvaises ondes au sein de ce club et au sein de ce stade. Et c'est un peu compliqué. Et le troisième point, c'est... On voit quand même une réaction intéressante en seconde mi-temps suite au coaching, même si c'est planté au départ, clairement, notre ami Petkovic. C'est un copier-coller du match contre Marseille il y a 3 semaines. Mais moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est surtout les fins de mi-temps qui sont vraiment terribles pour nous contre face Lens. Face copier-coller du match face à Nice. Non, face à Marseille. Moi, je te parle du scénario du match plutôt. Pardon. Mais voilà, moi, ce qui m'interpelle, c'est les fins de mi-temps encore où contre Lens, tu prends 2 buts en fin de première et 1 but en fin de match. Contre Clermont, tu prends les 2 buts en fin de match. Contre Angers, tu prends l'égalisation et t'es pas loin du 2-1 en fin de première mi-temps. Contre Nice, tu prends le 2e et 3e but en fin de mi-temps et là, l'équipe est totalement à la rue. Et il doit me manquer encore un match, je pense. Marseille, voilà, les 2 buts. Et on n'est pas loin du 3-0 en plus en fin de premier temps contre Marseille. Là, le match peut le plier aussi. Et on voit qu'il y a des soucis physiques et mentaux, clairement. Mais on n'a pas l'impression que ça évolue. Ça fait 5 matchs que c'est comme ça. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que je ne vois pas d'évolution sur les fins de mi-temps où on n'arrive vraiment pas à gérer à chaque fois nos temps faibles. Et c'est là que ça manque de pragmatisme. Et c'est là que Petkovic, normalement, pour ça, il est assez fort. Et là, on ne le voit pas, et c'est ça qui m'inquiète vachement. Voilà. Bon, mais très bien. Merci, Joe. Gino, alors toi, tu étais non, au stade. Tu étais au stade. Sur le même principe que mes collègues. Ouais. Je vais faire 2 gros enseignements. Ça va être la première mi-temps qui a pour moi été déplorable, vu du stade. C'était calamiteux, dans l'état d'esprit notamment. L'organisation aussi n'était pas bonne. Il faut être lucide par rapport à ça. Mais on ne peut pas montrer aussi peu de choses. Et Joe l'a bien dit, j'ai eu l'impression de revoir un peu le match de Marseille dans le scénario et surtout le fait que tu n'agis pas, tu réagis. C'est-à-dire que comme à Marseille, la première mi-temps, tu n'agis pas. Donc, si tu n'agis pas à domicile, déjà, il y a un gros souci. Donc, on a fait 3 matchs à domicile. On a été quand même assez moyen, voire médiocre, et on n'a pas encore gagné le moindre match. 1 point en 3 matchs. Donc, pour moi, ça me paraît trop peu, et c'est pas logique pour une équipe qui est sur un nouveau cycle, au moins dans l'état d'esprit, de pas être meilleur que ce qu'on l'a été, en tout cas ce dimanche. Et le deuxième point, c'est le choix des joueurs. Pour moi, il faut quand même en parler, hein.
Sam en a un peu parlé. Petkovic, je pense qu'il s'est trompé dans sa composition et notamment dans son dispositif tactique. Et moi, j'ai vu des choses ce dimanche, notamment en première mi-temps. Beaucoup de joueurs s'engueulaient en première mi-temps, notamment Otavio et Onana qui ne savaient pas se placer. Otavio qui disait Onana, non, c'est moi qui viens redescendre, prendre les ballons et relancer un peu plus le jeu. On sentait qu'il n'y avait pas vraiment de cohérence. Alors après, attention, beaucoup de joueurs arrivent. Il y a beaucoup de turnover. On a vu qu'on a démarré très tard le fait de la préparation. L'entraîneur, c'est pareil. Tout ce schéma transfert qui est voulu par les nouveaux dirigeants, eh bien, ça peut prendre du temps aussi. Ça peut être complexe à amener une équipe à être vraiment performante très vite. Donc, c'est ce qui me laisse penser qu'on a encore devant nous une marge de progression et j'essaye de ne pas trop m'inquiéter pour l'instant, sachant que la deuxième mi-temps dans l'état d'esprit était bien meilleure et qu'on a vu des entrées qui ont fait du bien. Vous l'avez très bien dit, Adli qui a fait quand même une belle entrée et Dil Rosen qui a montré quelques qualités. Donc c'est pour ça que je ne m'inquiète pas encore pour l'instant, mais je trouve que ce dimanche, en tout cas, on a failli au niveau des joueurs en première mi-temps, clairement, et au niveau du coach, c'était vraiment pas non plus exceptionnel au vu des choix qu'on a fait. Merci messieurs. Écoutez, moi je vous rejoins, c'est à peu près ce qu'on a dit hier en débrief, même si c'était un peu plus à chaud, on s'est plus attardé quand même sur les prestations individuelles des joueurs après un match. Ouais, mais on va le faire. Juste avant de rentrer dans le détail, Conan, sur le chat, comment sont nos amis qui nous regardent et qu'on salue? Comment ils sont? Ils sont mitigés. On a deux groupes d'ultra. On a un groupe d'ultra qui laisse la chance, qui dit qu'il faut attendre, qu'il faut patienter, certains même qu'il va falloir serrer les fesses jusqu'à la trêve. Et on en a d'autres qui, par contre, sont totalement dans la critique en disant que Petkovic est toujours en vacances, qu'il fait rien, qu'il faut arrêter de changer le système tout le temps. Non. C'est vraiment, il y a deux opposés. Il faut savoir prendre un peu les demi-mesures de chaque chose. Maintenant, la chose, j'ai lu une remarque, effectivement, qui était marrante. C'était, mais la préparation d'été de Monsieur Gasset, elle est où? Mais il n'y en a pas eu. Sur la préparation physique, on sait qu'il y a. Bizarre. Voilà. On sait qu'il n'y en a pas eu. On y arrive. Bizarre. On y arrive. On y arrive, mais il y avait quelques recrues quand même qui étaient alignées sur cette rencontre. Donc on va rentrer dans le détail. Juste, envoyez-moi du like, il n'y a même pas 100 likes alors que vous êtes plus de 350 sur YouTube. Envoyez-moi du like les amis pour faire monter cette vidéo, pour nous donner de la force. Messieurs, vous voulez qu'on commence par quoi? Est-ce qu'on fait l'individuel ou on commence par le coach? Moi j'ai envie de commencer par le coach, puisque je trouve que c'est... De toute façon, les deux sont liés. Ouais, les deux sont liés. Mais c'est le plus marquant sur sa composition d'équipe. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas qui veut commencer à y répondre. On fait un 4-3-3 face à Nice. Il est en échec sur ce 4-3-3 dans lequel il intègre Fran Sergio. Et il change à la mi-temps face à Nice parce qu'on prend l'eau complètement. On est mené 2-0 à la mi-temps à Nice ou 3-0, je ne sais plus. Et 3-3, ouais. Il refait pareil face à Lens, qui est une équipe qui a un fond de jeu, qui joue pareil en 3-5-2. Tu sais que face à des équipes comme ça, tu ne peux pas aligner un 4-3-3, tu vas te faire avec des profils encore plus illogiques. Parce qu'à Nice, voilà. À la limite. En plus, Nice, ce n'est même pas forcément un 4-3-3, parce que c'est même un 3-5-2, parce que tu as Oudin qui est en espèce de piston. Voilà, Kouateng qui oscille entre latéral droit et central. Enfin bref, c'était une horreur. Mais tu as au moins Sissoko qui... parfois avec un peu de maladresse, mais va amener de l'activité. Là, hier, je ne sais plus si c'est Gino ou Joe qui l'a dit, mais Onana, Otavio. En fait, qu'est-ce qui se passait? Onana, il est venu jouer là où il joue d'habitude, c'est-à-dire assez bas, un peu entre les deux défenseurs. Et Otavio, à chaque fois, non, gamin, c'est ma zone. Donc l'autre, après, le pauvre, il essayait d'aller tourner un petit peu, et il était brave, hein, parce qu'en première mi-temps, des fois, il essayait de centrer, des fois, il essayait d'aller vers l'avant. Il ne savait pas ce qu'il faisait là, le pauvre Onana. Et Otavio est resté dans sa zone. Et comme d'hab, Otavio, quand tu joues face à une équipe qui est en face et joue au ballon, blackout. Allez, il n'y a plus rien. Et donc, moi, le problème est là, c'est qu'en fait, le 4-3-3, pourquoi pas? Mais dans les choix des hommes, tu mets Mara et Wang, alors qu'on a bien vu sur le match d'Angers que les deux ensemble, ça ne marche pas vraiment. Mara, soit tu le mets qu'un vrai attaquant qu'on n'a pas, où tu le mets tout seul et avec deux ailiers qui vont lui apporter des ballons dans la surface. Non, tu le refous avec Wang. Wang qui, comme d'hab, est pas mauvais. Ouais, Wang est joué à gauche. Il joue à gauche sur ce match. Plutôt gauche. Plutôt gauche. Ah oui. Regarde les positions moyennes, il n'est pas à gauche.
il marche au Mara. Et comme d'habitude, il est pas mauvais, Wang, c'est vrai. Il dribble un ballon, il le renvoie derrière. Voilà, mais tu t'attaques pas. Donc en fait, le problème, c'est le système à la limite est pas mauvais. Qui joue en 3-5-2, qui joue en 4-2-3-1, qui joue en 4-3-3, c'est pas un problème. Moi, ce qui me dérange vraiment hier dans les choix de Petkovic, c'est ses choix d'hommes. C'est qui l'a eu pour bosser pendant 15 jours et qui il met sur la pelouse. Moi, Dilrosun, par exemple, il est en forme. C'est direct. Oudin, à un moment donné, c'est terminé. Oudin, tu sais que dans peu importe les systèmes que tu as voulu aligner, Oudin, il n'a pas été bon. Oui, il y a la reprise contre Marseille, ça, c'est les stats. Mais après, il y a dans le jeu. Il n'a pas été bon, Oudin. Mais sors Oudin, mets un autre mec, mais un mec qui va apporter quelque chose. Moi, c'est ce que je lui reproche, c'est que pour l'instant, quand je disais qu'il va falloir attendre la J5 pour commencer à parler de Petkovic, c'était pour distribuer les bons et les mauvais points. On ne va pas tirer des conclusions aujourd'hui. Moi, j'en vois qui disent « Ah, c'est déjà alarmant ». Ce qui est drôle, c'est que c'était les mêmes qui, quand on était 35e journée l'an dernier, qui disaient « Non, il n'y a pas le feu, les gars, ça va aller. » Enfin, voilà, donc c'est quand même, on n'a pas la même notion de danger, quoi. Mais bon, après, chacun ses notions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense que tactiquement, c'est normal qu'ils mettent encore, comme ils disent certains, jusqu'à la trêve pour trouver le bon système. Rappelez-vous Gourvennec, c'est en janvier qu'il trouve son système qui nous permet de faire une super deuxième partie de saison. Donc Petkovic, moi, je veux bien lui laisser du temps à ce niveau-là. Mais au niveau des hommes, moi, revoir mes chers, c'est pas possible. Voir Onana, Otavio, Fran Sergio au départ d'un match, sauf si éventuellement on joue contre une équipe très solide et encore, vu que les profils ne sont pas complémentaires, c'est pas possible. Voir Wang et Mara ensemble, pour moi, c'est pas compatible. En fait, il y a plein de choix à un moment donné qui sont plus… On a vu, ça ne marchait pas. Et moi, je comprends pas pourquoi il les remet derrière. Peut-être qu'il a encore besoin d'un temps pour tâtonner, etc. Mais à un moment donné, le foot, c'est simple. Quand tu vois qu'un mec, il n'est pas foutu de s'intégrer dans une animation sur 3 matchs, eh ben, le cinquième, il est sur le banc et il rentre à 20 minutes de la fin quand tu es censé mener 2-0. Et c'est pas l'inverse quand lui, il t'a mis dans la sauce et que tu t'en as pris deux, que tu dois faire rentrer ceux qui auraient mérité de l'être au début pour apporter quelque chose de nouveau dans ton animation. D'accord. Donc toi, tu dis, c'est pas forcément le système. C'est plus le choix des hommes que le système qui est mis. C'est le système qui rentre en compte. Ah, parce que d'accord. Comme je disais, si c'est vraiment ce système, cette animation-là qu'il a bossé pendant 15 jours, il a mal bossé pour moi pendant 15 jours. Qui veut réagir à ça? Parce que pour de mon point de vue, je me dis, putain, il nous fait la même canisse. Il se trompe, il change à la mi-temps, ce qui est un constat d'échec à la mi-temps. À la mi-temps, c'est quand même un constat d'échec. Quand tu changes 3 joueurs, c'est que tu t'es planté. Ça fait quand même 2 fois de suite. 2 fois où on est. 3-3-3. Ouais, Nice, mais là, Nice ça aussi, fait 2 fois de suite où on prend plusieurs buts lors de la première mi-temps. Qu'est-ce que vous en pensez, Gino ou Joe? Vas-y, Gino. Non, mais je suis assez d'accord. Je pense qu'il s'est planté. Hein. Et puis, le système n'a pas permis aux mecs que tu mettais de les mettre dans des bonnes conditions. Et puis, on l'a vu, quoi. Onana, ça l'a mis dans des conditions où il était un peu perdu et il avait le même rôle qu'Otavio. C'était pas franchement emballant, puisqu'en plus, en face, au milieu de terrain, moi, je veux bien qu'on en parle, mais à Lens, ils ont un joueur que nous, on n'a pas du tout. Qui s'appelle Fofana, qui moi a 2 mecs des Girondins dans chaque jambe, parce que franchement, il n'y a rien à voir au niveau footballistique. Hein. Ça, c'est un vrai milieu de terrain pour moi, qui est capable de faire des différences. Et il ne fait pas un grand match en plus, Fofana. Donc imagine s'il fait un grand match. C'est très rude, quoi. Donc on a eu un système qui n'a pas été le bon. Je ne pense pas que c'était le meilleur. Et ce 4-3-3, les 3 devant n'étaient pas du tout complémentaires, quoi. On a vu, Oudin qui met pas un pied devant l'autre, Wang qui, on remet Wang côté gauche. Est-ce que c'est le bon choix alors qu'il fait beaucoup, beaucoup d'efforts? On sent qu'il est déjà pas au nord énorme. Et là, on lui fait faire encore plus d'efforts sur son côté gauche. On sait comment il est. Au lieu de le laisser plutôt, justement, pour moi, en pointe. Et ouais, je trouve que c'est pas le meilleur. Il a 2 mecs sur lui. Il a 2 mecs sur lui. Il est plus costaud, plus technique. En plus, ouais, apparemment, il est blessé, mais il a 2 mecs sur lui, déjà, qui a un face à face, il n'est pas bon. C'était pas génial. Lui, quoi. C'était franchement pas génial de la part de Petkovic, et je pense qu'il s'est, voilà, comme tu as très bien dit, Nico, je pense qu'il s'est planté, et il a changé derrière, mais ça fait beaucoup, quoi. Tu pars avec 2 et tu peux avoir 3 buts d'écart à la pause, quoi. Donc, c'est quand même embêtant de partir dans ces conditions. Joe? Mais
Moi, j'avais l'impression que s'il a fait ce système-là au départ, c'était parce qu'il a vu que contre Nice, le milieu avait été catastrophique, c'était un gruyère, c'était pas possible, c'était n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il a essayé de tout recentrer sur le milieu, qu'il a même laissé limite libre les côtés pour les Lensois. Sauf que la force des Lensois, c'est quand même un petit peu les côtés, mais moi, j'avais cette sensation-là. Il a voulu mettre plus d'impact au milieu. Fran Sergio, Nana, Otavio, c'est des joueurs qui ont l'impact vraiment au milieu. Mais quand tu regardes, cette équipe n'était pas équilibrée du tout, encore une fois. Contre Clermont, je me rappelle, ils sont radiés à la mi-temps, ils sont deux joueurs aussi à la mi-temps. Contre Marseille, il fait la même. Contre Nice, il fait la même. Contre Lens, il fait la même. Ça fait 4 fois sur 5 matchs. Ça me paraît un peu beaucoup au départ. Alors, il y a aussi quelque chose qui peut aller. Enfin, moi, j'explique ça par le fait qu'il a voulu renforcer son milieu et qu'il a laissé un peu libre les côtés, qu'il a tenté quelque chose. En sachant qu'en plus, il y avait beaucoup d'absents, beaucoup de joueurs qui étaient en sélection et ceux qui sont arrivés en plus dernièrement. Gridiarsen, là, du coup, il est arrivé, je crois, 2 ou 3 jours avant le match. En plus, je crois qu'il arrive blessé, on ne sait pas trop comment il est. Enfin, mais il le fait rentrer axe gauche, alors que c'est un axe droit. Est-ce que c'est pour laisser Meschier à droite? Ça aussi. Enfin, voilà, moi j'ai trouvé ça un petit peu étrange. T'as l'impression qu'il faut faire jouer Meschier, hein. Vous n'avez pas cette impression depuis le début? Moi j'ai cette sensation là aussi, mais après Meschier n'a pas été dégueulasse malgré tout. Ça a pas été le pire, c'est qu'il ne fait pas son pire match de l'année. Il a été correct. Après, voilà, correct. Moi il y a juste une chose. Tu essaies de jouer avec un mec qui, déjà, si on regardait les 5 premières minutes, Meschier, dans les 5 premières minutes, il touche 11 fois le ballon, c'est énorme. Et 2 passes. Oui. C'est-à-dire qu'en moyenne, il lui faut 5 touches de balle pour faire une passe déjà. Comment tu veux jouer rapidement avec un mec qui déjà est obligé de se remettre sur son pied et de faire 5 touches de balle avant une passe? Bah, tu laisses les mecs avancer de 2, 3, 4 mètres et tu fais le ballon. Sur nos recrues en termes de défenseurs, parce qu'on on nous dit qu'on n'aligne pas assez les défenseurs, mais même dans la propension à jouer, à être dans un style de jeu où tu vas avoir la possession de ballon, ça fait peur. Même le Norvégien, je suis désolé, hier, c'est pas bon, hein. Il y a des passes faciles à faire, qu'il doit faire, pour moi. Hein. Enfin, après, c'est une vision sur un premier match. Hein. Mais c'est un accès. Quand il revient 10 mètres en arrière ou 15 mètres en arrière, je me dis, alors il n'a pas la confiance, c'est son premier match, on va lui laisser du temps, on ne va pas juger un mec sur à peine une mi-temps, mais sur la gestuelle et le côté technique, j'espère que ça ne va pas être comme ça, parce que c'est compliqué. Mais Gino, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'il ne joue pas à son poste. Il n'est pas axe gauche, même, axe droit. Même, quand même, Joe, sur les aptitudes, il y a des gestes qui sont professionnels, quoi, tu vois. Mais d'accord, mais pour un premier match, ça peut te perturber. À un moment donné, tu vois qu'il a le ballon. J'entends. Il dribble, tu vois qu'il attend, il n'a pas de solution, il attend, et là, tu as un mec qui revient derrière et qui lui prend le ballon. Un mec comme ça, c'est un défenseur aussi costaud, qui est plutôt vif et pas mauvais techniquement, je suis désolé, enfin… Enfin, moi, ça va revenir à ce que je voulais dire justement à la fin, un petit peu de ce que je voulais dire, c'est que à l'heure actuelle, quelle valeur sûre il a Petkovic dans son effectif? Pour moi, aucune. Ah oui. Clairement, il en a aucune. Alors, peut-être aussi de sa faute. Parlez. Mais ça fait des années que c'est comme ça, en fait. Et on le voit, en premier temps, l'animation offensive, elle est inexistante. Fran Sergio, le mec, il faisait que se projeter, il a aucun ballon. On dit, ouais, il a été nul, il a été transparent et tout, mais le mec, il faisait que se projeter. C'est quoi? C'est une consigne ou est-ce que c'est lui qui veut ça? Je ne sais pas. Onana, à un moment donné, il peut lui mettre un ballon, ça peut créer une grosse occasion. Onana le voit pas, alors qu'il est tout seul en train de partir. S'il lui met le ballon par-dessus, il y a une occasion pour Bordeaux et peut-être qu'il peut faire la différence aussi. On voit que ça se goupille pas, mais c'est normal. Mais excuse-moi, quand tu mets Mara seul en pointe, qui est transparent, qui se fait bouger dans tous les sens, ou Wang à gauche, alors qu'on sait très bien que lui doit jouer dans l'axe, et quand tu mets Ouna à droite, comment tu vas avoir une animation offensive cohérente? Tu l'as pas. Et au milieu, tu sens très bien qu'Otavio Onana, ça colle pas, ce sont 2 sentinelles. Donc, tu as 2 joueurs au même poste qui jouent ensemble et qui, effectivement, se marchent dessus. Donc, voilà. Après, en seconde mi-temps, tu vois Kadli et Dilrosun apportent quelque chose. Parce qu'ils changent le dispositif, ils changent le système en deuxième mi-temps. Ils changent le système. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les 2 joueurs les plus dangereux, c'est Mangas et Pembele. Ceux qui ont les plus grosses occasions, c'est les 2. Hein. Ce n'est pas des attaquants aussi. C'est ce qui est un peu gênant, mais ils étaient tout le temps dans la surface. Ils passent de latéraux à pistons. Ils passent de latéraux à pistons. Et au-delà de ça, pourquoi? Parce que quand ils rentrent dans les derniers mètres, ils ont quoi comme option? Mangas ou Pembele? La frappe. Ils frappent. Bah oui, mais non, mais ils sont dans la surface, ils ont frappé déjà. Ils sont dans la surface, ils frappent. Bah non, mais si t'as un attaquant bien placé. Bah, t'as pas besoin, quand t'es à la surface, tu regardes les cages, tu regardes pas si t'es un mec à côté de toi. Pas forcément, si t'as un attaquant bien placé, mais t'en as pas. Là, t'as Brion qui était à 50 mètres et t'as Wang qui se cachait derrière les défenseurs. Donc, t'en as pas. Moi, en fait, ce que je lui reproche notamment à Petkovic, c'est que hier, par exemple, pour finir sur la petite parenthèse sur Gregersen,
Gregersen, le bulletin est mauvais hier, effectivement, avec le penalty, avec les pertes de balles, etc. Mais dans l'état d'esprit et dans ce qu'il a apporté sur le terrain, mais pour moi, je trouve qu'il m'a beaucoup plus séduit hier que Mecher, que Otavio. Ouais, Otavio que j'ai revu hier. J'ai vu Otavio, le mauvais Otavio, celui qu'on connaît, qui se fait balader dans tous les sens, qui se cache entre les deux défenseurs, qui se cache très bas, qui récupère très peu de ballons parce que les deux milieux en face, ils le bouffent. Au moins, Gregersen, je me dis, ben, quand il va jouer à sa place, axe droit dans une défense à 3 ou à 4, ben, c'est quelqu'un qui va tenter, qui avec le ballon, de temps en temps, va essayer d'aller casser une ou deux lignes, d'aller chercher son milieu, d'aller chercher son attaquant, d'aller chercher justement son piston. Et donc, ça m'a beaucoup plus intéressé. Et moi, c'est ce que je veux dire, c'est que même hier, quand il fait ses changements à la mi-temps et qu'il change son système qui lui permet de revenir à 2-2, bah, en fait, pour moi, pareil, Lesmara, pour une fois, tu te permets d'avoir. Non, il n'a pas été bon. Ouais, on ne peut pas le laisser. Donc, c'est quoi en fait? Donc, on est au CM1 ou on est au CM1 ou on est sur un terrain professionnel? Mais ça a été l'un des plus mauvais la première mi-temps. Pourquoi il a été mauvais? Mais c'est là où pour moi il faut arrêter. L'entraîneur, il doit se remettre en question. Pourquoi il a été mauvais? Parce que le système n'est pas bon en première mi-temps. L'animation n'est pas bonne. Moi, je ne sais pas comment un attaquant peut être bon avec pour lui donner des ballons. Otavio, Onana, Fran Sergio, Rémi Houdin, Wang Weijo. Quel attaquant de Ligue 1 peut être bon dans ces conditions? Aucun. Par contre, en deuxième mi-temps, tu joues avec des pistons plus hauts, tu fais rentrer Yacine Ali, tu fais rentrer Dilrosson, tu fais rentrer des tireurs de coups de pied arrêtés. Et là, ça change. Mais bien sûr, c'est là où tu dois aller chercher Kumara. C'est là où il va avoir des chances d'avoir des pointes. Non, parce que ça l'empointe, il n'est pas bon. Mais on le sait pas. Mais tu peux pas le dire. Ça, Joe, je suis désolé. Ce que tu dis, c'est une interprétation. Tu ne peux pas le savoir. On l'a jamais vu. Tu l'as vu à Nice. À Nice, pareil, avec un milieu où tu n'as aucun mec pour alimenter, où tu as Mensah et Mangas qui prennent la marée à gauche. Sur ce match-là, on va déterminer que Mara n'est pas bon. Alors que la plupart des mecs qui l'observent te disent, c'est un mec qui, en numéro 9, a énormément de qualité. Pour sa taille, il est très bon de la tête. Mais pour l'instant, il ne peut pas. Il n'a pas l'impact. Tu le vois, que clairement, mais il s'est fait bouger. Oui, il n'a pas, mais justement. Moi, je comprends ce qu'il veut dire, Samuel. Il se dit que même s'il n'avait pas été bon dans ce système, il aurait pu le maintenir dans un autre système. Je pense que c'est là où on voit que Petkovic, il est perdu pour moi. Il n'a pas encore trouvé son projet de jeu, si on revient au thème. Je pense que Mara est meilleur avec le projet d'attaquant. C'est juste ça. Voilà, c'est juste ça. Après, je peux comprendre le choix de Petkovic par rapport à Mara, parce que pour moi, malheureusement, moi aussi, Mara, j'ai trouvé transparent en première mi-temps. Et à un moment donné, tu dois faire des choix. Wang, tu sais qu'il a plus de métiers en Ligue 1, ben voilà, tu mets Wang. Après, on voit que Wang, malheureusement, il se pète derrière. Donc voilà, c'était un mauvais choix, il s'est trompé. Mais moi, je comprends le choix de Petkovic par rapport à ça. Il fait rien, Wang, dans le 3-5-2, il fait rien. À Marseille, il fait rien non plus. Enfin, à un moment donné. Sur ce début de saison, il est pas bon, on est d'accord. Il est pas bon, parce que moi, je trouve qu'il fait du Wang Weijo, c'est-à-dire qu'en termes d'activité, il va chercher, il va presser, il essaye, etc. Mais derrière, depuis un an et demi, Wang, il y a des limites. Il y a des vraies limites. Et c'est pour ça que quand l'autre jour, on disait qu'à 12 millions, il était sur le point de partir au Sporting Portugal, moi, j'étais en train de faire la fête chez moi. Mais il n'y a jamais eu d'offre de ce prix-là. Il n'y a jamais eu d'offre à ce prix-là. Il n'y a peut-être jamais eu, mais quand nous, on disait qu'il y en a une, moi, pour moi, c'était inespéré. Ouais. Parce que pour moi, ce n'est pas possible. Et encore une fois, je le dis, un Sekou Mara. Mais Sekou Mara, c'est pas que là le problème. Là, on prend l'exemple de Mara, mais il y a d'autres soucis aussi. Fran Sergio, par exemple. Fran Sergio, fais-le jouer. Si, Fran Thomas. Non, mais fais-le jouer proche de Mara. Le fais pas jouer juste devant Onana et Otavio qui déjà savent pas jouer ensemble. On l'a pas vu. Et surtout, on l'a pas utilisé non plus. Au-delà du fait qu'on l'a pas vu et pas utilisé, les rares fois où on le voit, où on l'aperçoit, il a l'air d'être en souffrance. Nice, ça m'avait marqué, mais je me suis dit, c'est un premier match en Ligue 1. Tu joues une équipe qui te marche dessus et qui est très offensive. OK. Mais là, Lens, c'est une très bonne équipe, surtout à l'extérieur. Hein. Mais il souffrait hier, le pauvre. À un moment donné, il a une action à la surface où il protège son ballon, mais il fait mal au cœur, le pauvre, parce que tu vois qu'il n'a pas de solution, il ne sait pas quoi faire, il est perdu. Donc ces mecs-là, à un moment donné, ne les fais pas jouer. Laisse un Sekou Mara sur le terrain. Il y a plein de choses, en fait, pour moi, qui devraient être logiques de la part de Petkovic. Moi, j'ai une question par rapport à son projet de jeu. On sait qu'il est arrivé il y a un mois, qu'il n'a pas eu beaucoup de temps, qu'il n'a pas eu les joueurs, qu'il a fallu que les joueurs arrivent. Tout ça, on le comprend. Mais perso, moi, j'avais des attentes sur ce match. Je me suis dit qu'il commençait à avoir des joueurs et qu'on aurait vu déjà un système travaillé avec des vraies idées de jeu, peut-être un projet de jeu, dans les transitions, les relances courtes, dans l'organisation. Et moi, ce qui me fait le plus mal et qui m'inquiète, c'est que tu vois qu'il refait la même qu'à Nice, c'est-à-dire qu'il fait son milieu à 3, on croit qu'il est obligé de faire jouer Fran Sergio dans son milieu à 3.
mais pourquoi il fait ça? Et j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pensez qu'il a déjà un projet de jeu, Vladimir Petkovic, aujourd'hui, Gino ou Joe? Est-ce que c'est quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive à le lire, ce qu'il veut faire avec l'équipe? Non, alors, mais ça ne m'étonne pas parce que Petkovic est en fonction de ce qu'il a. Il ne va pas se dire je vais faire ça parce que je suis comme ça, etc. On sait qu'il va s'adapter, on sait qu'il va faire en fonction de ce qu'il a. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à appréhender ce qu'il a. Moi, j'avais l'impression au début que quand on a vu le match contre Clermont-Marseille, j'ai l'impression qu'il avait un petit peu la maîtrise, entre guillemets, de son effectif. Alors, après, il y a eu des changements entre temps. On a perdu Bazic, Franck Sergio est arrivé, etc. Mais j'ai l'impression que Bazic et Franck Sergio, c'est le même combat. Et pourtant, on critiquait Bazic parce qu'on disait qu'il n'avait pas assez d'impact physiquement. On recrute un joueur qui est plus costaud. Et on voit que lui, que ce soit Bazic ou Franck Sergio, c'est le même combat. C'est deux fantômes. Et pourtant, c'est pas censé être des mauvais joueurs non plus de base. On le voit. C'est pas des joueurs qui vont faire la différence en un contre un, ce genre de choses. Mais dans un collectif, ils peuvent apporter. Pour moi, malheureusement, pour l'instant, c'est toujours la même problématique que de changer de joueur ou pas. Et moi, j'ai l'impression de voir des joueurs qui ont 15 freins à main en fait sur eux dès qu'ils sont sur le terrain. Adli, ok, il fait une super entrée, il y a pas de problème. Mais tu sais, s'il est titulaire au prochain match, il va être catastrophique. On le sait tous en fait comment ça va se passer malheureusement. Ça fait des mois que c'est la même chose. Et la problématique, c'est que Petkovic n'a pas encore réussi à appréhender, mais j'ai l'impression que tu peux recruter les meilleurs joueurs du monde, tu le fais venir à Bordeaux, les joueurs ils seront moins bons qu'ailleurs. Moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu, c'est que Franck Sergio, je ne pense pas que ce soit un clampin. Hein. À Braga, c'est un joueur qui était très important. Hein. Et là, il fait deux matchs, mais catastrophiques, on ne le voit pas du tout. Il est perdu, il fait des appels dans le vide, etc. Personne ne joue avec lui. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est ça que je me pose. Mais je peux comprendre que Petkovic n'arrive pas encore à appréhender les choses parce que, comme je dis, j'ai l'impression que je vois des joueurs à qui ont le frein à main, qui ont 15 freins à main, dès qu'ils sont sur le terrain, dès qu'ils sont titulaires, les mecs, ils sont à la rue, quoi qu'ils fassent et quoi qu'il ait tenté pour l'instant. En première mi-temps, à part Angers, il n'y a aucune première mi-temps qui a marché. Gino, est-ce que. Non, mais je suis assez d'accord avec ce que dit Joe, mais après, bon, on est radical hein, sur le match d'hier et sur les premières performances qu'on voit sur certains joueurs. On va leur laisser du temps, bien entendu. Là, sur le match. On ne peut pas dire le contraire parce que la performance n'est pas là. Elle n'est pas du tout là. Et sur un début de carrière, en tout cas dans un nouveau club, tu te dis, au moins le mec va mettre l'intensité, l'état d'esprit, il va louper des choses peut-être. Le souci, c'est qu'il joue en demi-teinte en fait. C'est ce que disait un peu Sam. Tu as l'impression qu'il y a une grosse appréhension alors que c'est un mec d'expérience. Donc ça, on a connu des mecs qui sont arrivés pour leur premier match et ce n'était pas Franck Sergio. Il jouait des fois à des niveaux plus en dessous au même poste. Et dès les premiers matchs, on voyait d'autres choses. Donc, nous, on demande aussi un niveau d'exigence. Oui, même dans le passé, j'étais plus sur, par exemple, même Fernando, au même poste et compagnie, où tu voyais dès les premiers matchs. Il y avait quelque chose. Voilà, il y avait quelque chose. Donc, on va lui laisser du temps à Franck Sergio. On ne va pas le juger sur deux matchs. Ouais, les autres, pareil, Gregersen, on ne va pas les jouer sur deux matchs. Les juger sur deux matchs. Sauf qu'il faut dire que les performances, elles ne sont pas là. Et quand elles ne sont pas là et qu'on voit un tel niveau. On ne peut pas dire « bravo les mecs, continuez comme ça ». Il faut dire la vérité. Ce qu'on a vu face à Lens, ce n'est pas génial. Ce n'est pas bon comme première prestation. Alors que tu joues à domicile, tu te dis « eh ben voilà, dans l'esprit, dans ce que tu vas montrer, tu dois montrer un peu plus pour moi ». Mais ce n'est pas facile aussi à leur décharge d'arriver dans un contexte où tu as beaucoup de changements, tu n'as pas une grande préparation derrière toi, ils sont arrivés très tard, il y a eu beaucoup de choses aussi. Donc, on va leur laisser du temps un petit peu quand même et voilà, pour faire un jugement définitif. Mais voilà, on est en attente d'un certain niveau sportif au Girondins. Et ça, il faut l'avoir. On ne peut pas non plus n'attendre rien de ces joueurs-là. Ce n'est pas possible. Pas leur âge en plus. Et juste pour répondre à Joe, quand tu dis on a l'impression que dès qu'un mec arrive à Bordeaux, il est en dessous de son niveau. Y a deux catégories de joueurs qu'on recrute à Bordeaux. Il y a un joueur comme Franck Sergio qu'on recrute pour être titulaire et il y a des paris. Ces deux joueurs-là arrivent dans le même cadre. Un cadre où, en fait, ils doivent s'adapter à un cadre qui, déjà, n'est pas adapté, sans vouloir faire le poète. Problème, mais voilà, c'est-à-dire un cadre qui est mouvant, un socle qui n'est pas encore construit. Donc, je trouve moins choquant que, par exemple, Dilrosson, Mangas, Mensa, Bembele, Onana, pour leur premier match, pour des joueurs qui ont une place à aller chercher dans le 11 et des choses à prouver, entre guillemets, auprès de leur entraîneur pour gagner leur place, eh ben, soit plus performant et plus, comment dire, et accepte d'être un peu plus polyvalent ou du moins de dépasser un peu plus leurs fonctions qu'un mec comme Franck Sergio qui, lui, pour le coup, et c'est pour ça que je dis pour moi, depuis deux matchs, il me semble vraiment perdu le bonhomme.
En fait, lui, c'est le seul joueur qu'on a identifié pour le recruter en tant que titulaire parce qu'il nous fallait un milieu box-to-box. Mmh. Le problème, c'est que pour l'instant, et c'est la nature du débat, quand on parle de projet de jeu de Petkovic, on n'a pas encore le projet de jeu qui permet justement de mettre en valeur ce joueur box-to-box. Et peut-être que tu l'auras pas le projet. Et c'est là où on va y avoir, et tu l'as souligné plusieurs fois, Nico, tu l'as sous-entendu, c'est là où il va falloir avoir une vraie discussion à un moment donné. C'est est-ce qu'il y a des joueurs qui vont être obligés de jouer ou pas ? Parce qu'à un moment donné, si ton système est meilleur avec un milieu Onana, Sissoko, Adli, parce que ces trois joueurs dont le profil est plus complémentaire et qui arrivent à t'amener tout ce qu'il te faut dans un milieu de terrain, est-ce qu'on va râler parce que est-ce qu'on va pas le faire parce qu'il faudra faire jouer Franck Sergio qui a été recruté pour ça ou Otavio qui doit être vendu, etc. C'est là où on pourra se poser les bonnes questions. Mais pour l'instant, Petkovic, comme on n'est pas encore à ce cas de figure-là, moi je pense qu'il va juste devoir trouver le système le mieux adapté à son effectif. Je pensais que les 15 jours de la trêve lui auraient permis de le faire. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que j'ai mis ce thème-là, parce que je pensais qu'on y serait déjà arrivé, on aurait vu quelque chose. Parce que finalement, sur le 11 de départ, à part Onana qui est arrivé le dernier jour, ou l'avant-dernier jour, ils étaient tous là depuis une dizaine de jours, alors c'est pas beaucoup. Non, c'est énorme, Nico. Voilà. Mmh. Et autre point que je voulais souligner avec vous, c'est que dans notre recrutement, on a aussi bien le coach que certains joueurs qui connaissent pas la Ligue 1. Pembele, c'est 5 matchs, Onana, c'est 1 match, Franck Sergio, il découvre, Dilrosun, c'était son premier match, et le coach aussi. Est-ce que vous pensez que ça peut être un handicap ou pas du tout? À quel niveau un handicap? Mais ça dépend des cas. Ouais. T'as des clubs de Ligue 1 avec des joueurs qui connaissent très peu le championnat et l'entraîneur aussi qui va arriver et l'adaptation va très vite se faire, et des cas où c'est pas du tout le cas. Donc pour le coup, on peut toujours le mettre dans la balance quand ça va mal. Mais est-ce que c'est une fatalité de se dire les joueurs n'ont pas assez de matchs en Ligue 1, donc ça explique les mauvais résultats? Je pense pas. Sur le niveau quand même et l'intensité que te demande, l'intensité notamment physique que te demande la Ligue 1, moi je pense que si, c'est obligatoire. Et des mecs qui arrivent et qui n'ont pas connaissance du championnat, ben ça peut faire vraiment bizarre, parce que tu as des mecs qui te rentrent dedans, moi, qu'on veuille ou non. Le niveau, il n'est pas toujours génial techniquement, mais une équipe comme Lens, il y a beaucoup d'intensité. Moi, je te le dis, on le voit sur le terrain, on le voit quand même dans tout ce qu'ils font. Ouais, c'est une équipe très cohérente, par exemple, qui n'a pas des qualités hors normes, mais qui est très cohérente, qui est capable de te mettre de l'intensité sur des actions, et tu vois qu'ils te mettent vite à la rue parce qu'ils le font avec une grande intensité. Il y a quand même des repères collectifs. Et pour moi, si pas connaître la Ligue 1, c'est quand même… tu ne pars pas sur la même base que les autres équipes. Il ne faut pas rêver. Et une équipe comme Lens, elle n'a pas la même base que nous, par exemple. Elle est que sur sa deuxième année de Ligue 1. Donc, tu as une cohérence qui n'est pas du tout la même que la nôtre. Lucien Favre avec une équipe, Nice avec Lucien Favre, un coach qui ne connaît pas la Ligue 1 et des joueurs, plein de joueurs qui arrivent cette année-là qui ne connaissent pas la Ligue 1 non plus, arrivent à faire troisième. Donc, c'est pour ça que j'ai, en fait, il y a toujours des contre-exemples. D'autres qualités quand même, Samuel. Je veux pas dénigrer les mecs qu'on a pris, mais… Oui. C'est notre pas... qualité, mais beaucoup de mecs qui à ce moment-là, on ne voyait pas à ce niveau et qui ont été révélés cette année-là aussi, tu vois. Donc, après, il y a aussi juste à la rue comme Balotelli ou quoi, par exemple. Oui, mais peut-être qu'on y arrivera aussi. Mais bon, Alassane Pléa qui avant ça n'arrivait pas à faire sa saison déclic, qu'on peut comparer à certains joueurs qu'on peut avoir dans l'effectif. C'est pour ça qu'il y a des contre-exemples. Mais effectivement, aujourd'hui, et Nico, Il y a une donnée en plus, c'est qu'en plus de ne pas connaître le championnat, on sent quand même un Petkovic qui, pour l'instant, sans, encore une fois, c'est pas pour tirer de conclusion sur lui, mais qui s'est pas encore vraiment imprégné totalement du contexte aussi. Joe, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, oui, sensation aussi. Je suis assez surpris qu'ils mettent autant de temps. C'est quand même un entraîneur chevronné international. Je m'attendais à ce qu'ils trouvent peut-être plus rapidement sur ce match-là des choses. Voilà, bon, on va voir. Mais après, ça m'a rappelé quelque chose, en fait, quand Lopez est arrivé à Lille, sa première année. Bielsa, c'est une catastrophe, ça colle pas. Beaucoup d'erreurs de recrutement, beaucoup de joueurs effectivement fort potentiels qui n'ont pas le niveau, qui ne connaissent pas la Ligue 1. Et en sachant qu'il avait plus de moyens, que le contexte était plus favorable au transfert à ce moment-là, il avait lâché de Préville, etc., des joueurs effectivement qui étaient faits pour la Ligue 1, pour recruter des jeunes joueurs à fort potentiel. On a vu ce que ça avait donné la première saison, ils étaient pas loin de descendre. Bordeaux, ils ont encore moins de moyens et le contexte était encore moins favorable. Et tu te dis, oulala, j'espère qu'il a peut-être appris de cette première erreur, je l'espère. Mais ça fait beaucoup de points où tu te dis que Petkovic aussi n'est pas forcément aidé. Alors, apparemment,
on en parlera avec l'interview de Admar Lopez. Oui, on va enchaîner. Voilà, Petkovic participe au recrutement. Ils disent ce qu'ils veulent, etc. Donc voilà. Mais rappelez-vous à Lille, la première saison, on dit Lille, ouais, vous avez vu ce que ça donnait Lopez et tout. Mais rappelez-vous la première saison, s'ils descendent, c'est pas la même. Hein. Et ils étaient pas loin de descendre. Hein. Mm-hmm. Donc, Conan, voilà. Des réactions sur le chat rapidement, une ou deux réactions de ceux qui nous regardent et qu'on salue. Bon, au niveau des réactions, c'est pas mal de critiques sur les joueurs en eux-mêmes ou de vanter des qualités sur des joueurs comme Onana. Beaucoup sont satisfaits de matchs de certaines recrues, d'Ilrosun ou autres. Après, il y a une personne qui a relevé ce que j'avais dit dans le débrief hier. Moi, je reste dessus d'ailleurs. C'est pas encore le moment. Dans deux journées, oui, effectivement, je pense qu'on pourra voir des choses. On a des qualités chez les joueurs qu'on a pu voir sur ce match, dans les recrues. Maintenant, il va falloir les mettre à leur bonne place et dans le bon contexte pour qu'ils jouent ensemble et qu'ils prennent leur automatisme. Et là, ça marchera mieux. Allez, juste un clin d'œil à Copa Arena. C'est un projet où ils font des podcasts sur le foot, des analyses de Flo Tonuti. Ils ont fait juste avant ce match 1h10 ou 1h30, je ne sais plus le temps exactement, d'entretien avec Frank Hayes. J'ai écouté la moitié, j'ai pas eu le temps d'écouter plus. Putain, mais là, t'as un vrai projet. Non, mais le gars, il t'explique comment il travaille, qu'il travaille ses systèmes depuis 3 ou 4 ans. Le système, son 3 ans. Il l'a fait avec les jeunes. Et il l'a fait avec les jeunes. Ça fait 3 ans qu'il le fait. Et il a les joueurs pour. Et il explique aux joueurs qui adhèrent à son projet. Et les mecs, les sorties de balles, ils ont un pool de sorties de balles qui travaillent à l'entraînement. C'est-à-dire qu'ils travaillent leurs sorties de balles en fonction de l'adversaire. Et les joueurs savent ce qu'ils doivent faire en sortant la balle, et à quel moment, et ils ont des circuits de sortie de balle préférentiels, mais tout ça à Bordeaux, jamais on parle de ça, quoi. Moi, je dis, et tu vois que c'est une équipe, ils ont plein d'automatismes, et nous, on ne fait pas le poids face à ces équipes-là, c'est le cas de Clermont aussi, on se fait exploser, parce qu'on n'a aucun projet de jeu aujourd'hui, voilà. Et ouais, pour travailler ça, Nico, il faut quand même une ossature, une couleur vertébrale. Il faut du temps. C'est compliqué de travailler des systèmes, des sorties de balles, etc., des automatismes, alors que tu n'as pas encore un joueur titulaire à part le gardien. Bien sûr. Voilà. Bon, voilà, je voulais juste comparer. On s'étonne qu'on perde contre Lens. Non, si tu regardes dans le détail, c'est normal. Ils sont en avance contre nous, ils sont plus forts que nous, c'est tout. Ouais. Mais tout le monde n'était pas étonné, Nico, hein, parce que même les Lensois, hein, moi j'étais très surpris. Hein, on fait pas peur. Ce qui était étonnant, c'est qu'on leur mette 3-0 à la 37e journée. Hein. Mmh. J'ai même envie de dire que c'était miraculeux. Mais hier qu'on perde contre Lens, c'est pas étonnant. Mais hein. Eux, en tout cas, ils venaient pour gagner. Hein, ils te le disaient clairement. Hein, ce qui fait un peu mal au cœur d'entendre ça, mais on ne fait pas peur. Mais c'est ça, mais après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Ligue 1 va vite. Hein, donc oui. Aujourd'hui, Lens vient chez nous tranquille, mais dans 6 mois, ça peut être l'inverse. Pour ça, comme tu viens de le dire, il faut bosser. C'est ça. Allez, messieurs, le tableau d'honneur, ce qui est peut-être l'occasion de souligner ceux qui ont fait un bon match, puisqu'on est resté quand même assez dans le... On s'est posé des questions, pourquoi ça ne marchait pas. Il y a quand même des choses peut-être positives. Est-ce que vous voulez mettre certains au tableau d'honneur? J'en ai, mais ça a été dur de trouver pour toutes les places. J'en ai pas partout. Adli aurait pu être Gigi s'il y avait eu 2-2. Ça a été chaud, ouais. Ouais, Adli, il était. S'il y avait eu 2-2, il aurait pu être le Gigi. Voilà. Adli, je l'ai mis dans le Danielson. Au vu de sa rentrée, comme c'était. Oui, techniquement. Il a fait des différences. Il était en feu. Danielson, du coup, moi, en Danielson. J'attends de voir, moi, le prochain match avant de le placer quelque part. Non, mais on sait comment il est. Mais en fait, il a fait son match, t'as l'impression, tu sais, pour 2 mois. Là. Il a fait son match. Ah, le Milané, on va pouvoir l'appeler le Milané maintenant. C'est maintenant ça, qu'il est en préparation à Bordeaux. On l'a vu sur l'interview avant, en plus, avec le Globe. Ça y est, le Andrea Pirlo du 7-8, on va l'appeler. Par contre, il faudra noter que pour une de ces rares émissions, Abdou Traoré aura un autre nom cette fois. Ce n'est pas Méchère. Non, c'est qui? Habituellement, on a toujours Méchère. Pour moi, c'est Oudin. Ah ouais, c'est caché, ouais, c'est vrai. Moi, ouais, c'est Franck Sergio, ouais. Moi, je te dis clairement. Ouais, bah ils se battent à deux en fait pour la place. Je sais pas qui donne le trophée. C'est toujours méchant. Non, c'est dur. Non, Samuel, c'est dur. Ouais, enfin, pas sur ce match. Non, au stade, même au stade, on a été surpris. Il a fait un match plutôt correct. Il aime bien Lens. S'il aime bien Lens, c'est possible. Il a fait un bon match contre Lens aussi. Je dis pas qu'il fait un match horrible loin de là. Il fait un match plutôt correct. Mais c'est pas maîtrisé. Enfin, à un moment donné, en fait, on se contente de quoi? De la performance? Ah non, de lui, il devrait pas jouer. De l'utilité. Et l'utilité, même si on peut dire, ah, ça a été utile, ça a annihilé une action, c'est pas utile, il se jette, c'est toujours, c'est,
voilà, c'est, enfin, vraiment, pour moi, il faudrait créer une catégorie pour lui, parce que je crois que j'ai rarement vu ça dans l'histoire de. Non, moi je trouve qu'il, bon, après, moi je trouve qu'il a fait un match plutôt correct, oui, par rapport à d'ailleurs. Le match est correct, mais je te dis, c'est sale comme prestation. C'est sale. Et tu c'est du tacle. Et tu t'étonnes d'avoir mauvaise réputation, Samuel. Okay. Il n'a pas mauvaise réputation. On fait avec. Hein. Et sur Mangas, son match. Moi c'est Bruno Basto. Parce que le premier but, non, mais le premier but c'est sa pomme, c'est lui qui lâche le marquage, ouais, clairement. Après, on prend une vague, ils sont 6 dans la surface, on est 6. Hein, donc déjà, il y a un petit problème par rapport à ça. Mais Mangas, malheureusement, il lâche le marquage. Je crois que le corner sur le deuxième but, c'est lui qui met un corner. Dans mes souvenirs, il me semble que c'est assez. Enfin, ça peut être évitable, même si ça ne m'a pas marqué, mais voilà. Après, voilà, second mi-temps, il réagit, mais ça me rappelle aussi un match contre Nice en premier temps où il est un peu dégueulasse, il réagit en seconde mi-temps, etc. Voilà, il est intéressant offensivement, mais alors défensivement, parfois, c'est très compliqué. Ça. Il a des sautes de concentration. Et franchement, le premier but, quand tu vois comment il laisse le mec se tout seul alors qu'il est à 1 mètre et tout le bordel, moi, ça me dérange beaucoup. Cette action-là me dérange énormément. Je pensais que vous alliez être plus positif sur Mangas, comme il avait marqué. Je trouvais qu'il avait fait un match correct. Oui, il rattrape, c'est comme Thuram en 98, sauf que Thuram, il te met 2 buts. Tu vois, si Mangas, il aurait dû mettre 3 buts, on aurait gagné, tu vois, dans ces cas-là. Il a l'image du match d'hier. Hein, c'est que, mais il est souvent comme ça. Il a souvent des trous d'air. Il y a deux Mangas. Voilà. T'as raison, Samuel. Bon, les gars, on va pas s'attarder plus sur le tableau. À moins que vous souhaitiez ajouter quelque chose rapidement dessus, Gino, peut-être. Non. C'est compliqué actuellement de placer les joueurs parce qu'il y a trop d'interrogations. Et puis on n'a pas eu de Gigi pour l'instant. Donc 5 matchs, pas de Gigi. On n'a pas eu de victoire aussi, Gino, donc c'est un peu compliqué. Ah non, mais oui, mais il faut le dire. Tu pourrais avoir un mec qui fasse une grande performance. C'est ce que disait un chatter, il a dit on va attendre encore longtemps avant d'avoir un Gigi dans le tableau. Mais ça veut dire que niveau performance, on a des manques. Et on peut parler de la belle célébration des Ultramarines l'un des leurs, cet hommage qui a été fait et du club pour Mika. Voilà, donc pour ça Mika, c'était plutôt quelque chose qui était très bien fait et très positif dans la célébration hier. Allez, messieurs, on enchaîne. Hop, l'interview d'Admar. Ouais, je souhaitais qu'on s'y attarde. Je sais pas si vous l'avez lu. Cette interview d'Admar Lopez dans Sud-Ouest. Est-ce que vous avez retenu des choses? Un grand entretien paru avant le match. Déjà, il voulait vendre Wang, il l'a dit clair et net. Il a dit qu'il était radical. Si on avait pu vendre notre petit Wang, qu'est-ce qu'on se serait fait plaisir, hein. Après, j'ai pas trouvé qu'on a appris grand chose, hein, franchement. Oui, non, mais pour moi, on est dans la continuité de la communication de Gérard Lopez autour du projet club. Et il a rajouté sa petite punchline, je suis là pour 10 ans, parce que on sait qu'on a dit, Lopez, ça dure 2 ans, et après le club est en D3, est en N3. Et lui, il a dit, moi, je suis là pour 10 ans, Gérard aussi. Enfin, voilà, c'est leur communication très positive qui mène depuis plusieurs semaines, où ils mêlent aussi pas mal les supporters et les influenceurs à tout ça. Donc, ça, pour moi, on est sur une continuité, on n'y apprend rien de spécial, si ce n'est que c'est quelqu'un qui parle à la presse, entre guillemets. Contrairement à un Campos qui était un peu plus, qui faisait son travail dans son coin, il te sortait les mecs du chapeau et basta. Là, Admar, lui, a l'air d'être un peu plus, on va dire, en termes de présence, d'être un peu plus visible, en espérant que ça masque pas le fait qu'il y a moins de travail derrière, quoi. Mais sinon, globalement, le discours est plutôt positif, hein, il faut le dire, mais c'est pas nouveau. Sur sa vision, je donne deux trois extraits quand même pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Il dit j'ai envie de construire un vrai projet et de rester longtemps. Normalement, un projet, ça dure 4 ans, mais à mon avis, Bordeaux a besoin d'un projet à 8 ou 10 ans. Je suis encore jeune, si tout va bien, tout le monde est content de moi, je me vois bien rester ici 10 ans. C'était pour faire allusion à ce que vous avez dit, sachant qu'il y a 10 mois, il était à Boavista. Donc, il restait 10 mois à Boavista. C'est un fait. Je suis désolé, les gars. Je donne des faits. Hein, Tu veux pas croire à Admar. C'est un peu salaud. Mais moi, je crois à tout. Moi. Et après, je vois ce qu'on me présente. Et après, nous, on est dans le beau rôle, nous. C'est assez intéressant parce que c'est vrai que tu dis qu'il dit ça.
Et ce qui peut paraître assez cohérent hein, dans ce qu'il dit quand même, que je pense que le club, en plus, il en a vraiment besoin d'un projet à long terme. Et à côté de ça, c'est vrai qu'il le dit dans l'interview, il est quand même assez carriériste. Donc, c'est ça. Il te dit, en gros, Bordeaux, c'est un bon club pour démarrer un peu dans la fonction. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Oui, mais comme c'est discours. Pas compatible, Gino. Parce que si tu prends les gros directeurs sportifs, c'est des mecs qui ont construit en 6, 7, 8, 10 ans. Hein, quelque chose de. Oui, mais est-ce qu'il restera autant à Bordeaux? Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que dit Nico. Oui, mais c'est comme tu dis, si sa porte d'entrée, c'est ça, et qu'il sera beaucoup jugé sur ça, donc s'il y a des chèques à Bordeaux, ça lui collera la peau. C'est, et qui sait qu'il ne pourra pas, sauf miracle, sauf gros, gros miracle, faire des résultats en 2-3 ans. Je pense que ce n'est pas impossible. Après, moi, encore une fois, je n'ai pas du tout ta lecture. Moi, c'est vraiment la lecture que j'ai depuis le départ, c'est que lui et Gérard Lopez veulent rassurer sur le fait que leur projet est sérieux. C'est un exercice qui est bien maîtrisé, cette interview, je trouve. Et sur son ambition, pour rebondir, j'avais noté la phrase « Les Girondins, c'est le potentiel idéal pour mon ambition et mon parcours », il dit. Tu vois, ça rejoint. C'est là où ça tranche un peu, pour moi. Voilà. Qu'est-ce que avec je pourrais rajouter? Le fait de rester à moyen long terme. Joe, si tu veux commenter, tu as peut-être noté des phrases de ton côté. Il parle de jouer l'Europe. Le rêve, le but, ça serait de gagner un titre à Bordeaux. Je suis dans le foot pour ça. Dans quelques années, ça sera peut-être une réalité. Top 6, top 8 d'ici 1 ou 2 ans. Voilà ce qu'il dit dans l'interview. Ouais, et les trois mercato aussi. Oui. Il se trompe de terme, je pense. Il veut dire en 2-3 mercato, je change l'équipe. Je ne pense pas qu'il veut dire le club. Parce que s'il dit vraiment le club, c'est une méconnaissance totale. Joe, tu veux rajouter quelque chose? Non, après, moi, ce qui m'interpelle, c'est quand il dit que si on active les options d'achat, je pense que dans 2-3 ans, on aura des actifs pour vendre. Comment tu vas lever les options d'achat en fin de saison? Explique-moi juste ça, en fait, du coup. Et là, je pourrais te dire, ouais, ton projet est cohérent ou pas. Parce que je ne vois pas comment, en fin de saison, on va lever les options d'achat de Pembélé, de Ellis, de Mangas et Mensah, tout ça. Je ne vois pas quelle plus-value on aura en fin de saison. Voilà. Il a répondu à cette question sur RMC, Gérard Lopez, le 1er septembre. C'est un supporter des Girondins qui lui a posé. Et il a fait une réponse assez technique. Il a dit, pas de souci pour l'option d'achat aujourd'hui. Si j'ai bien compris sa réponse, hein, il dit, écoutez, moi, on n'aura pas de souci pour lever l'option d'achat puisque de toute façon, les transferts, on ne les paye jamais d'un coup. Donc, on paiera... Un cinquième du transfert simplement. Et le reste, on l'échelonnera. Mais si tu n'as pas l'accord la de la DNCG, tu fais comment? Mais je pense qu'il espère lever ça, lever cette restriction. Ouais, mais comment? Moi, c'est ça. Explique-moi comment, face à la DNCG, l'été prochain, on va arriver en disant c'est bon, les gars, laissez-nous libres de faire ce qu'on veut. Après, Joe, franchement, je te trouve alarmiste parce que rappelle-toi que la DNCG nous a autorisé à recruter alors qu'on avait juste des offres pour Adli et Basic. Oui, on est d'accord, mais tu sais que la DNCG a été plus coulant cette année par rapport à tout ce qui s'est passé droit télé Covid. L'an prochain, ils seront beaucoup plus. Vu la situation que les droits télé vont prendre pour les 2-3 prochaines années, t'inquiète pas que la DNCG, pendant longtemps, ils vont être cool. Je sais pas. 8 Moi, millions je... d'euros d'économie sur la masse salariale. Hein, il le dit dans cette interview dans Sud-Ouest, Admar Lopez. Voilà, hein. Joe. Oui, ça, c'est assez énorme. Non, mais c'est une économie, d'accord, mais après, il faut aussi de la rentrée d'argent. Sachant que l'été prochain, tu vas sûrement te séparer de Costil. J'ai vu des rumeurs passer aujourd'hui. Koscielny va peut-être aussi prendre sa retraite ou quitter le projet Bordeaux parce qu'on sait que on sait qu'un Gérard Lopez, s'il peut prendre un fonté à la place de Koscielny, il le fera. Donc déjà, tu vas aussi dégager des liquidités à ce niveau-là. Enfin, moi, sincèrement, sur les prêts, surtout qu'on a contracté cette année d'options d'achat qui ne sont pas énormes, je ne suis pas inquiet. Enfin, dans tout ce qu'il a dit, c'est le truc qui me semble le moins irréalisable, si tu veux. J'ai plus d'espoir pour recruter Mangas et Ellis à la fin de la saison, qui appartiennent en plus à Boavista. Donc, même s'ils veulent l'échelonner en 15 paiements et que ce soit 100 euros tous les mois comme ton forfait Internet, ils peuvent le faire aussi. Si tu veux, je suis plus inquiet quand il me dit que lui, il s'inscrit dans un projet à 10 ans et qu'il rêverait de gagner un titre sous ce lapsus-là, entre guillemets. Que ce soit d'ailleurs un titre en Ligue 1 ou même un titre encore plus fou, une C4 européen ou même une Coupe nationale, aujourd'hui, ça me semble compliqué. Non, je suis d'accord. Après, du fait, ce truc, c'est pour moi, dans tout ce qu'il dit, la première étape du projet, ce sera la fin de cette saison quand il faudra présenter le bilan à la DNCG. On verra ce que ça va donner. Et pour l'instant, je suis très pessimiste, clairement. Mais après, On a oublié quelque chose et je viens de voir sur le chat, c'est Julien qui l'a dit. Tu as deux mecs que tu as formés, que tu as bazardé à moins de 20 ans, qui risquent l'été prochain de partir à,
À deux, je pense qu'on peut prendre, à mon avis, les deux combinés, ça va être du 150-160. Mais c'est pas toi donc, qui décides, ça c'est des paramètres que tu peux pas maîtriser. Oui, mais dire, sur ça... le principe, je pense que tu vois ce que je veux dire. Je pense que je vais même te dire, je me demande si cette année avec la Coupe du Monde, ça va pas les, ce genre de transfert-là, on va pas les avoir dès le mercato d'hiver. Peut-être. Pour que les joueurs aient un temps d'adaptation plus correct que les deux mois qu'ils auront après de compétition. Ça serait bon pour nous, tant mieux. Donc, ça voilà. Chouameni qui joue pas la C1, je vois pas ce qui retiendra Monaco d'accepter un transfert demain matin, par exemple. Possible. Les gars, sur l'interview, ça va nous faire le lien avec le mercato. Et après, juste avant qu'on parle mercato, je te donnerai la parole pour les réactions du chat. Conan, tu es dans la cabine avec ta casquette. Je le dis pour ceux qui nous découvrent, Conan est dans une cabine. C'est lui qui pilote le chat dans son avion. Déguise, la boutique Déguise pour la casquette. Il dit dans cette interview, donc dans Sud-Ouest, on a discuté avec le coach pour un profil plus finisseur, mais c'est très difficile avec les restrictions qu'on avait, car les bons attaquants sont toujours très chers. Mais je suis un homme de mercato, je travaille déjà pour janvier. En novembre et décembre, je saurai exactement ce que je voudrais. J'aurai des idées et j'aurai des idées pour l'été prochain. Je cherche toujours ce qui se fait de mieux, car je suis très ambitieux. Il est très structuré aussi dans sa méthode. Ouais. Moi, ce que j'ai bien aimé, après voilà, c'est pas mon truc, mais... au moins, il nous dit clairement certaines choses, et notamment comment ils définissent les profils et en termes de, ben, d'achat de joueurs, le nombre de joueurs qui font entre 0 et 2 millions, entre 3 et 5, avec des profils. Et il t'explique vraiment, ça a une manière assez cohérente, en fait, de faire son mercato. Et on sent que quand même, il maîtrise, il a été à bonne école pardon, avec Luis Campos, à mon avis, qui est quand même un maître en la matière. Donc, sur ça... c'est vrai que c'est un domaine qui est quand même où ils ont l'air d'être assez cohérents dans ce qu'ils font. Après, qu'ils soient performants, moi, j'attendrai quand même qu'on juge du niveau des joueurs quand même et de leur intégration sur l'année. Parce qu'on ne peut pas dire on a fait un très bon mercato, on a un effectif meilleur alors que la saison n'est pas faite. Si tu finis 18e à la fin de l'année, on n'aura peut-être pas le même avis, Admar. Donc, il faut attendre un petit peu que tu finisses l'année. Ça sera sympa. Et après, tu pourras nous faire ton petit, on a un effectif meilleur que l'année d'avant. Ça, c'est pas mal. Et on ne parle pas de Boavista aussi, Nico. Qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que Boavista... Bah, il a parlé de la formation aussi, mais vas-y, parle-en. Boavista, c'est un projet complètement différent et indépendant. Ouais. Donc, c'est bien. On a pris deux mecs à Boavista, on a essayé de leur refiler mes chers, mais c'est indépendant. Alors, je veux pas me faire l'avocat du diable. Vas-y Samuel, Je pense que Nico, c'est ce que tu voulais dire aussi, mais hey, entre les clubs des fois qui ont sont pas du tout le même proprio, mais ils sont potes, ils se refourguent des joueurs. Hein. Plus facile. Vincent Labrune et comment il s'appelait, c'était Luc ou Loïc Ferry, je confonds toujours avec le ministre. Loïc. Luc, c'était le ministre. Le Marseille-Lorient, il se refilait des trucs, mais c'était revenu en 93. Hein, donc voilà, du moment, moi, là où je te rejoins, Gino, c'est que du moment qu'ils nous font comprendre que, est-ce que tu craignais toi la semaine dernière ou la semaine d'avant quand on en parlait, que on soit pas sur des clubs filiales comme ça peut, comme le peut être 3 aujourd'hui, un club, et qu'on est sur plus des clubs satellites, des clubs en contact, des clubs proches, mais que y a pas de que c'est pas forcément très identifié. Je pense que ça rassure une partie des supporters, donc c'est bon. Et c'est grâce à Boavista qu'on a Mangas, hein, et qu'on a un attaquant. Sans ça, sans son réseau, on n'aurait pas pu recruter autant de joueurs. Alors après, on va voir ce qu'ils vont faire, mais. Voilà, on a défendu Admar et Gérard face à ton attaque. Non mais c'est bizarre, quand même. Non mais justement, j'ai dit, pourquoi il dit complètement le contraire alors que Lopez, il nous parle clairement de ses clubs paliers, etc. Enfin, Gérard Lopez nous parle clairement de ses clubs paliers. Et là, il te dit limite l'inverse. Non, c'est deux projets indépendants, ça n'a aucun rapport, etc. Enfin, quel est l'intérêt de dire ça en fait? Ah, parce que il y a une différence, Joe. C'est que Lopez, lui, il est propriétaire. Donc lui peut te dire que lui. Notamment dans les investissements qu'il va faire, lui il a une logique, lui, mais ça se comprend. Toi demain matin, Joe, si t'as actionnaire de 3 trucs, tu vas pas penser 3 choses différentes, ça va être dans ton esprit. Donc c'est pour ça. Lui par contre t'explique en tant que directeur sportif du club que c'est des projets indépendants, c'est-à-dire qu'il n'est pas directeur sportif, il n'est pas déjà, il n'y a pas un mec au-dessus de lui qui décide d'une direction sportive pour 3 projets, pour 3 clubs, et que lui n'est pas en relation
Et vaut mieux, parce qu'apparemment, je crois qu'il y a pas assez, l'ambiance n'est pas au beau fixe. Lui n'est pas en relation avec le directeur sportif de Boavista ou le coordinateur sportif de Boavista pour se coordonner justement sur le sportif. Mais on invitera un supporter de Boavista prochainement pour en discuter. Bon, ce n'est pas le sujet, mais et voir comment. Mais moi, j'aimerais bien avoir Gérard Lopez et lui demander, mais c'est quoi votre vision pour vos clubs? Est-ce que vous voulez développer le même système de jeu? Ou alors chaque club est indépendant? Savoir ce qu'il veut faire, quoi. Ça, moi, je trouve que ça serait intéressant. Pas, Nico. Parce que c'est le conflit d'intérêts. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vais donner mon avis. Je pense que Gérard Lopez, quand il avait Boavista et qu'il avait Lille, eh ben, sa priorité, c'était Lille. Quand il avait que Boavista, parce qu'il s'était fait dégager de Lille, eh ben, tu connais, hein, voilà, t'as tout mis d'un coup ton investissement sur Boavista. Le jour où il a récupéré Bordeaux, c'est Bordeaux. Mais il ne pourra jamais te le dire. Bien sûr qu'aujourd'hui, s'il doit refourguer les joueurs de Bordeaux, quelque part, il ira se tourner vers Boavista parce que ça lui appartient et qu'il aura son mot à dire. Je ne sais pas si c'est cette vision-là. Bah, moi, j'ai quand même je pense que c'est plus global de développement de joueurs avec stratégie, le club entrant, le club intermédiaire pour accéder ensuite. Tu le vendras comment ton joueur aujourd'hui, Nico? Tu le vendras à Bordeaux, en Ligue 1, le championnat de Lionel Messi? Tu ne le vendras pas, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour mes amis portugais, tu ne le vendras pas en Ligue 1 Noche avec Portimonense et Rio Ave, quoi. Ouais, donc les projets sont basés sur les joueurs et pas sur les clubs. Oui. Ben oui. Voilà. Donc les clubs ne sont plus la priorité. On va pas découvrir aujourd'hui que le football appartient aux joueurs et plus aux clubs. Hein. Ça, c'est. Si tu leur donnes effectivement plus de moyens, plus de billes à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a au moins dans la gestion des clubs, la plupart des grands joueurs des grands clubs qui jouent pourtant dans des institutions sont parfois plus importantes que leurs propres clubs. Alors qu'on parle d'institutions, des multinationales. Enfin, voilà. Et c'est une vérité. Même si tu as des supporters qui vont encore te dire que le joueur part, le club reste, etc. La vérité, c'est que dans la gestion du club, le club est dépendant de sa star. Le meilleur exemple, c'est Lionel Messi, où le Barça était à deux doigts de déposer le bilan juste pour pouvoir le faire jouer. Et qu'au final, à la fin, ils n'ont même pas pu. Non, mais c'est un vrai débat, ça. On pourrait en parler pendant une heure. Hein. Et moi, j'ai envie de vous dire... Merci Gérard. C'est tout. Allez, les réactions sur l'interview d'Adma, et après on parle Mercato et Mbaye Niang. Pour moi ? Alors, les réactions du chat, pardon, Conan. Excuse-moi, je t'ai réveillé. Non, là, il était sur l'album de Renaud, là. Il a révisé les paroles. C'est ça. Non, mauvaise réputation de Georges Brassens, grâce à Samuel, ça m'est revenu. Ah oui, c'est ça. Au niveau des réactions, il y en a beaucoup qui, voilà, il y en a certains qui comptent justement sur les ventes de Koundé et Tchouaméni pour dire qu'on va pouvoir faire nos achats de joueurs. Il y en a plusieurs qui, eux, sont plus réalistes au niveau sportif. Mm-hmm. Ils ont dit, avant de parler de vente, avant de parler de prochain mercato estival ou autre, qu'on commence déjà par gagner. Ce sera déjà une bonne chose. Donc, on dira à l'interview, ce qu'il a dit, c'est pas les choses que les supporters attendent. Pour l'instant, ils attendent du résultat plutôt que de voir ce qu'on va faire dans un an. D'accord. Bon, bah, très bien. Merci, Conan. Vous voulez rajouter quelque chose sur cette interview? J'enchaîne. Les gars, on passe à notre joker. Alors, vous l'avez vu depuis hier ou avant-hier? On nous parle de Mbaye Niang qui serait pressenti pour venir rejoindre les Girondins de Bordeaux. Bordeaux a pris contact avec le joueur. Donc joueur, je le rappelle, qui a 26 ans, qui est sous contrat avec le Stade Rennais jusqu'en 2023. 26 ans. Et l'année dernière, au mois de février, il avait été prêté au club d'Arabie Saoudite de Al Ahly, je crois. Dernière info, là, c'est tombé à 18h. Il y a l'équipe qui indique qu'il est attendu demain au Hayan pour se mettre d'accord pour signer un contrat de 2 ans. C'est ce qui est dit, mais sachant qu'aujourd'hui, rien n'est signé, rien n'est fait et il n'y a pas d'accord. C'est un joueur, pour être complet, qui touche plus de 200 000 euros par mois à Rennes. Donc, autant dire qu'à Bordeaux, on ne peut pas lui payer son salaire. Donc, et c'est un joueur qui est sous contrat. Donc, ça veut dire que on ne peut pas payer le même salaire, pardon, pour être précis, qu'à Rennes. Et ça veut dire que pour que Bordeaux puisse l'engager, ça veut dire qu'il faut un accord avec le Stade Rennais afin de le libérer de son contrat pour qu'il puisse venir signer aux Girondins de Bordeaux. Donc, c'est une négociation entre le joueur et le club et entre le joueur Rennes et le joueur Bordeaux-Rennes. C'est un achat. Il ne va pas être libéré et on récupère un joueur libre. Ah ben si, on ne peut pas signer autrement. Bah si, c'est un joker, tu peux acheter un...
tu peux l'acheter un club, c'est un joker. Mais on n'a pas les moyens. De Ligue 1. On n'a pas les moyens d'acheter un joueur. Ah non, mais c'est pour ça que je posais la question. Parce que dans la loi du joker, tu peux acheter, rappelle-toi notamment il y a 2 ans quand Marseille achète Rongier à Nantes, tu le payes. Donc moi, c'est pour ça. En fait, pour moi, j'aimerais ça. Est-ce qu'un joker et un joueur libre, c'est pareil? Parce que si Maignan, il rompt son contrat avec Rennes et que du coup Bordeaux le fait signer libre, ben, c'est pas un joker. Oui, tu peux le signer en tant que joker, mais il faut le libérer du contrat. Soit il le libère du contrat, mais Bordeaux ne peut pas acheter aujourd'hui. Bordeaux n'a pas d'argent pour acheter. Voilà, non, mais oui, mais dans, enfin, je veux dire, on peut acheter, dans la loi, on peut acheter un joker, mais nous, on n'est pas capable de l'acheter parce qu'on n'a pas d'argent. Voilà, c'est ça, exactement. Ou alors, il faut vendre Wang. Ou alors, il faut qu'il soit libre. Et si tu veux l'acheter, il faut qu'il soit libre. Donc, il faut que Rennes le libère de son contrat, de toute façon. Dans tous les cas, Rennes doit le libérer de son contrat. Donc, je le dis, aujourd'hui, il n'y a pas d'accord entre Bordeaux et le joueur. Moi, je me suis renseigné dans l'entourage du joueur, pas dans l'entourage du club de Bordeaux. Je le dis. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'accord entre Bordeaux et le joueur. Voilà, il y en aura peut-être demain. Ce matin, on était très très loin. Ça a un peu progressé, mais aujourd'hui, il n'y a rien. Et Bordeaux fait le forcing pour signer le contrat. C'est normal, sans les joueurs, les Girondins. On nous indique l'équipe qu'il a attendue demain à Bordeaux, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Messieurs, déjà, sportivement, sur ce joueur et ce profil, qu'est-ce que vous en pensez? Gino, Mbaye Niang. Merci Nico. J'adore Mbaye Niang. C'est un joueur qui a des qualités, on va pas. Mais 10 ans. 26 ans, 9e club. Très stable comme joueur. On a eu des joueurs très stables. Ben Arfa, ça serait 10e Ménès. Oui. Il y avait Laurence Lénard, l'ancienne journaliste de l'équipe, qui le disait très justement par un tweet. Je pense que tous ces joueurs qui ont été très instables, c'est vrai que chez nous, c'est une grande réussite. On le voit. C'est des mecs. J'en ai dit deux, hein. J'ai dit Ménès et Ben Arfa, par exemple, c'était de beaux exemples. C'est à peu près des joueurs un peu qu'on peut des fois assimiler par rapport au caractère. Mais le truc avec Niang, c'est pas ses qualités de footballeur qu'on va lui reprocher. Moi, c'est pas ça que je vais lui reprocher, bien que c'est pas un joueur qui me fait rêver, mais c'est un joueur qui est capable de marquer des buts, qui est puissant, qui est pas maladroit. C'est juste que voilà, c'est des joueurs qui sont dans l'instabilité chronique. Ils peuvent pas se fixer dans un club. Le mec est bon une saison, il n'arrive pas à confirmer derrière, à se dire « je vais m'inscrire dans un projet ». Et c'est ça qui m'embête. Et on a des joueurs comme ça, et moi, ça ne me fait pas rêver. Je le dis clairement. Alors, j'espère me tromper, hein, qu'ils viennent à Bordeaux, qu'ils nous fassent mentir. Mais c'est souvent des mecs voilà, sur des projets. Ben, ce n'est pas des gens qui me font rêver pour faire venir à Bordeaux. Joe. Je suis comme Gino, clairement. J'ai regardé un petit peu les stats. Les seules saisons où il a performé, c'est les 2 saisons qu'il fait à Rennes en 2018-2019 et 2019-2020, où il met 14 et 15 buts. Mais après, c'est pas vraiment un finisseur pour moi, en fait, du coup, déjà. Donc, alors que Petkovic, il cherche un finisseur. Je vois pas trop l'intérêt de ce joueur-là. Et comme le dit Gino, moi, le côté, on sent que c'est un joueur à problème, quoi. Enfin, clairement, partout où il passe, à chaque fois, t'as l'impression que c'est la galère. Donc, à un moment donné, c'est un gros potentiel, clairement, on l'a vu, c'est un joueur très intéressant, mais c'est un joueur qui n'aura jamais le niveau parce qu'il ne travaille pas assez, parce qu'il n'est pas investi dans un collectif, parce qu'il n'est pas investi dans un projet, tout simplement. C'est un joueur qui fait sa carrière de footballeur, qui va engranger un petit peu d'argent, qui va se faire plaisir, et puis qui va briller sur 2-3 matchs, et puis voilà, mais tu ne pourras jamais t'appuyer sur ce joueur comme ça, ne serait-ce que sur une saison. C'est impossible. Donc, et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est si Rennes le libère, un joueur comme ça, alors qu'il a encore une valeur de 4-5 millions d'euros, ça m'inquiéterait encore plus. C'est étonnant. Ouais. Mais ce qu'il a fait avec Marseille, par rapport. Rappelle-le, c'était l'été dernier. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il veut se barrer à Marseille. Tu as tout l'entourage, à mon avis, qui fait tout pour que la rumeur monte et limite que Marseille se dise eh ben, il faudrait qu'on signe Mbaye Niang. Alors que ce n'est peut-être pas la priorité des dirigeants marseillais. C'est quand même énorme. Donc lui, il se vend à Marseille. Alors que, putain, il sort de belles saisons à Rennes. Le mec, il est stable. Tu te dis, il est enfin mature, il va faire ses années en Ligue 1, tu vois, quitte à trouver un plus gros club, mais un peu plus tard. Eh ben non, il part dans un club du même championnat. Enfin, moi, ça me rend dingue, quoi. T'es supporter, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Je veux jamais un mec comme ça chez moi. Enfin, je sais pas ce que pensent les supporters. Mais ce genre de joueur, on n'en a pas besoin dans la mentalité. On est déjà dans un club à problème, depuis des années.
On va reprendre des mecs comme ça. Il prend le même profil aussi. Est-ce que, en termes de profil, Samuel, est-ce que ça peut être un panic buy, le fameux panic buy du mercato où il faut absolument un attaquant, et on voit que Bordeaux, ils ont sondé Slimani, ils ont même sondé Boni, ils ont sondé Johansson, le joueur du Werder. Ils ont sondé un maximum de joueurs. L'ancien joueur du Werder. Et effectivement, ça ressemble au panic buy, mais déjà, Mostafa Mohamed ressemblait au panic buy. Moi, j'avais déjà dit il y a 15 jours que je trouvais que sur le plan du mercato, oui, on pouvait vanter le nombre de recrues, mais que ne pas avoir recruté un neuf était quand même très problématique. Bien sûr. Même si, encore une fois, par exemple, un Onana, qui est un milieu supplémentaire, il n'est pas forcément indispensable aujourd'hui, même si on va sûrement se rendre compte que peut-être que si au fur et à mesure de la saison, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de profil, l'urgence à Bordeaux, elle date quand même depuis Diabaté, franchement. Ouais, pas loin. Il y en a qui nous diraient Laborde, mais bon, Laborde a quand même pas énormément duré sur dans le 11 à Bordeaux. Mais on n'a pas de joueurs capables de faire la différence à la pointe de l'attaque, et c'est un vrai problème. Et donc, arriver à aller chercher un joker, pourquoi pas? Prendre Banyang, pourquoi? Pour quel poste? Attaquant. Mais c'est pas un neuf. En fait, moi, c'est ça, c'est que Banyang, tout à l'heure, quand je disais, il a 26 ans, j'hallucinais, parce que Banyang, ça fait 10 ans qu'on le voit, 10, 11 ans qu'on le voit jouer au foot. Le poteau au Camp Nou avec le Milan, on était en 2012. Enfin, voilà, c'est quand même, c'est pas n'importe qui. C'est un mec qui avait énormément de talent, qui était amené à devenir un potentiel ballon d'or. Le problème de Banyang, c'est qu'on n'a jamais su c'était quoi son poste. Sur les ailes, il est limité. Derrière l'attaquant, c'est là où il est le meilleur, mais souvent, il ne s'entend pas forcément avec l'autre attaquant. On a vu à Rennes que ça marchait quand il était en faux neuf derrière Ben Arfa. Enfin, derrière, on se comprend. Et même, il était sur un côté, d'ailleurs, à Rennes. Hein, ses meilleurs matchs au Bétis, etc., c'est sur un côté. Et en pointe, moi, je ne vois pas quelle qualité il a aujourd'hui pour occuper la pointe girondine. Je ne dis pas qu'il n'a pas de qualité, bien sûr. Je dis juste que Banyang, on parle d'un joueur qui va notamment amener un certain travail au niveau, qui va travailler les défenseurs, qui va pouvoir être un pivot sur le terrain. C'est pas ce profil-là, Banyang. Après, on va pas se mentir sur les qualités. C'est un mec, aujourd'hui, dans notre effectif, il fait partie du haut du panier de notre effectif. Ça en dit long sur l'effectif et sur les assurances qu'on a à tous les postes. Mais moi, c'est pas, encore une fois, c'est pas le profil que j'aurais identifié. Je le redis. Moi, en fait, moi, ce que quand tu parles de panic buy, ce qui me dérange, Nico, c'est que on n'a pas fait le neuf. Fait chier, mais c'est comme ça. Tu veux avoir une solution à tout prix parce que tu t'es rendu compte que ça allait être compliqué. Fais un choix intelligent. Va pas prendre un mec. Tu vas devoir apparemment lâcher un petit billet, que ce soit pour son salaire, que ce soit pour le transfert. J'avoue que je me mélange un peu sur tout, mais tu vas devoir lâcher de l'argent. Ah oui. Quitte à devoir lâcher de l'argent, lâche-la en décembre, cet argent, et va me chercher un Diabaté. Bien sûr. Qui va pendant 3 mois te faire le boulot. Non, mais il est libre, un Diabaté, là. Il n'a pas besoin d'attendre décembre. Ça peut être un autre joueur que Diabaté. Il y a peut-être d'autres joueurs qui sont libres, qui peuvent avoir ce profil-là, qui ont un peu d'expérience en Ligue 1 et qui peuvent venir t'apporter quelque chose dans ton effectif. Mais va chercher un joueur qui, en fait, que tu peux utiliser dès maintenant dans un certain contexte. Et quand tu vas pouvoir aller chercher un vrai neuf, que tu vas pouvoir utiliser aussi. Parce que Banyang, je t'explique. Déjà, bon, il va coûter cher, etc. Donc, je pense que ça compromet un petit peu les chances de mercato en janvier. Et va lui ramener un mec dans les pattes, Banyang, en neuf en janvier. Tu l'as perdu. C'est fini. À Rennes, c'est ce qui s'est passé. Enfin, en fait, à chaque fois, c'est ce qui s'est passé avec lui. Donc, je ne comprends pas la cohérence de recruter ce joueur-là aujourd'hui. Même si je pense qu'il peut, à très court terme, faire un peu plus de bien devant, parce que bah, forcément, tu le vois hier, quand tu sors Mara sur une décision et que derrière, Wang se blesse un quart d'heure après, bah, tu es obligé de te retrouver avec Briand qui... Bah, ne peut plus, qui est utile sur certaines déviations, etc. Mais sur la majeure partie des actions, il n'est pas capable de faire l'effort, de faire la course, de faire l'appel, etc. Donc, Banyang sera toujours mieux que ça. Mais être mieux que zéro, ça ne veut pas dire être bon. Pour le joker, il faut qu'il soit licencié en France. Voilà la condition. J'ai été chercher. Voilà, licencié en France, mais attention, joker, ça veut dire un licencié qui joue dans un club français, que tu achètes. Et un joueur, parce que Ben Arfa l'an dernier, c'est pas un joker, c'est un joueur libre. Un joueur libre.
Oui. Donc c'est genre différent. Joker. Oui, oui, oui. Genre libre joker. Mais là, il est sous contrat avec Rennes. Sachant que je vous ai annoncé son salaire, alors pour rentrer un peu dans le détail, oui et non, mais c'est plus de 200 000 euros par mois. Brut, s'il vient à Bordeaux, il lui reste 2 ans de contrat à 200 000 euros. Vous imaginez que ça fait une somme d'argent importante. 200 000 euros fois 24, ça fait encore quelques mois de salaire à payer. Ce qu'on pourrait penser, c'est que Bordeaux proposerait un salaire assez bas avec une prime à la signature importante pour essayer de débloquer ce dossier-là. Petit point, son agent est aussi l'agent de Sekou Mara et d'Abdou Traoré. Voilà. Donc, est-ce que Amadou, il va vous... Amadou, pardon. J'ai vu le tableau d'honneur tout à l'heure, excusez-moi. Il joue plus au foot, le pauvre. Amadou Traoré aussi, donc bon, il y a aussi peut-être d'autres enjeux derrière. Est-ce qu'il va positionner deux de ses joueurs aussi? Mais bon, voilà, est-ce que ça veut dire un départ de Mara? Je ne sais pas. Donc, non, mais tu vois, tu me dis qu'on va payer, ça veut dire que... Donc, je sais pas. T'as dit combien son salaire? 120, c'est ça? Plus de 200 000 euros. 200, ah ouais, d'accord. C'est noté, c'est sorti dans l'équipe. Donc, 200 fois 24. Par mois. 200 fois 24. Ouais. Voilà, 5 millions presque. 4 millions, ouais. 5 millions sur 2 ans. Ouais. Et tu as les primes à la signature qui doit être à peu près de. Si son salaire il est à 200 000, tu lui mets au moins 2 mois de salaire sur une prime de. Allez, 500 000. Donc on va dépenser, on va mettre voire 1 million d'euros souvent, minimum. Et encore minimum, je suis très. Voilà, je commence à disjoncter un petit peu moi aussi au niveau des montants. Et donc ça veut dire que tu vas mettre en Banyang ce que tu pourrais mettre sur un joueur que tu peux acheter dans 3 mois et que tu peux identifier et cerner d'ici là. Là, ça ressemble à du court terme et du panic buy. Et là, effectivement, c'est quand tu dis que tu n'as pas d'argent depuis plusieurs semaines, c'est problématique. Bon voilà, je voulais vous parler de ça. Je sais pas, on en a parlé, mais je vois pas ce qu'on peut dire de plus. Il a attendu demain, on verra si ça signe, on verra si c'est des effets d'annonce, si le contact est si abouti ou ça. Peut-être que ça signera. Et Banyang, il est fâché avec Aliou aussi, c'est ok. Parce que j'allais dire, sinon Banyang que tu vas perdre à la CAN, mais non, il est plus en sélection depuis 2 ans. Après, il y a juste un truc, il y a un joker qu'on peut avoir là, qui va pas tarder à revenir, c'est notre ami Albert Ellis qui peut jouer sur tout le front de l'attaque et notamment neuf. Ça peut être une solution après avoir quand est-ce qu'il va revenir et dans quel état, ça je sais pas. Exactement. Mais... Voilà. J'ai une info à ce sujet. Alors c'est pas moi qui l'ai, c'est Sud-Ouest qui l'a publié aujourd'hui. Ils ont indiqué qu'il était attendu pour le recrutement collectif au mieux la semaine prochaine. Donc c'est même pas sûr qu'ils reprennent l'entraînement collectif la semaine prochaine. L'entraînement, ça y est, je dis les mots à la place des autres. Quelle heure il est, 20h53, il va falloir arrêter. Pour l'entraînement, la semaine prochaine, au mieux. Donc ça veut dire que s'il reprend pas le collectif la semaine prochaine... Il sera pour le mois d'octobre, mais bon, après voilà. Après, c'est voilà, pas... exactement. Ouais. Qui part pas en sélection, par contre, parce que là, je l'avais mauvaise quand même, moi. C'est une star en Honduras, ils en ont besoin. Très bien, ils c'est possible. Bon, messieurs, voilà. Oui, Conan, je te laisse réagir, donner ton avis. Avis, c'est une petite question de GG qui reprend ce que tu as dit la dernière fois dans l'émission. Tu nous as parlé comme quoi que donc le club recherchait un défenseur central et un attaquant. Il voulait avoir un peu plus d'indications sur le défenseur central. Non, j'ai pas plus d'infos. J'ai pas plus d'informations sur le défenseur central, mais ils cherchent à se renforcer au poste de défenseur central pour cet hiver, oui. Et puis ça paraît logique, de toute façon. Admar, il a dit dans son interview qu'il cherchait soit un attaquant, soit un défenseur central d'un autre profil que ce qu'ils ont. Mais aujourd'hui, je peux pas vous donner de nom. Faut trouver le remplaçant de Koscielny aussi. Ouais, mais il va pas partir en cours de saison. Non, mais à la fin de la saison, je pense que ça a l'air quand même assez. Assez visible, quoi. Il faut savoir que Mecher, c'est 2023. Koscielny, je crois que c'est 2022 ou 23-22. J'ai un doute sur 22-23. Il y a Paul Bayes, c'est 2023 au moins, Paul Bayes. Mais il faut des défenseurs centraux, j'ai envie de dire modernes, qui se déplacent assez rapidement et qui soient physiques. Et techniquement, plus vite que ce qu'on a. Les trois mecs que tu as cités, de toute façon, on va pas se mentir, hein, Lopez, ils rêvent de les vendre. Hein. Mm-hmm. Pas de les vendre, de s'en séparer. Ils savent très bien pertinemment qu'ils en vendront aucun des trois. Non, mais c'est vrai. Je vois pas qui va acheter Mecher ou Koscielny. Koscielny pour l'âge, Mecher pour le niveau. Et Bayes, sincèrement, le club aujourd'hui qui va mettre de l'argent sur un mec qui s'est fait 3 fois les croisés et qui a 34 ans, pas peur du risque. Hein. Ouais. Faut pas que ce soit pilote d'avion, ce mec-là. Hein.
Je le formerai pas. C'est hein. pas garant, là, Conan. Mais par contre, il y avait une autre question sur le chat qui a été relevée. La dernière fois, tu nous as donné une émission, dans l'émission, la liste des attaquants libres de grande taille que tu avais. Ça a été posé la question. Et en Ligue 2, est-ce qu'il n'y en a pas des libres qui ont été intéressants dans leur stats? J'en sais rien, là je ne saurais pas te dire comme ça, mais il y avait Bayo qui était en Ligue 2 au mois de janvier. Là, je pense que les clubs de Ligue 1 ont fait une grosse erreur de ne pas faire signer cet attaquant en janvier dernier, alors qu'il était à Clermont. Clermont ne voulait peut-être pas s'en séparer, le joueur ne voulait peut-être pas partir aussi, tout simplement. Après, voilà, mais mec comme Charbonnier qui joue à Auxerre là, actuellement, je ne pense pas qu'il serait pire qu'un Briand, tu vois, par exemple, actuellement, ou qu'un Wang ou qu'un Mara. Voilà. Mais je peux me tromper, hein, mais en tout cas, malgré son âge et tout, je trouve assez intéressant, quoi. Contrat de Paul Bay, c'est 2024, les amis. Donc, avec une certaine clause de reconversion. Ça me dérange pas, moi, qu'il reste longtemps. Non, Bay, voilà, exactement. Parce que tu viens de donner la clause de la fin, c'est la reconversion. C'est un mec qui aime le club. Alors, oui, c'est peut-être un peu cher et sportivement, ce sera pas beaucoup de garanties, notamment physique. Mais je suis content. Enfin, voilà. Je vais peut-être dire quelque chose qui choque aujourd'hui, mais ça me dérange moins d'accompagner Bay jusqu'à la fin de sa carrière. Ça me dérange un peu plus de le faire avec un Koscielny qui est un peu moins dedans ces derniers matchs. Mmh. Et après, bon, s'il sent que son physique ne pourra pas, il va dire stop, j'arrête et je ferai ma reconversion aussi. Je pense qu'il aura une clause comme ça dans le contrat. Allez, on passe au match de samedi soir, 21h. On clôture ce point Mercato, on suivra ce feuilleton Mbanyang. On verra si on aura la fin demain, après-demain ou plus tard. Saint-Étienne-Bordeaux, match à 6 points. Match de la peur, j'ai envie de dire, déjà, même si on est qu'à la 6e journée, mine de rien, quand tu vois ton club au bas du classement, si Bordeaux s'incline à Saint-Étienne, on restera bien sûr 20e, et Saint-Étienne nous mettra à 4 points d'avance. Voilà, à 4 points. Messieurs, Claude Puel, on m'a dit, Claude Puel, dès la fin du match, il a motivé les troupes, il s'est projeté sur le match de Bordeaux pour aller chercher un résultat. Est-ce que vous pensez Bordeaux capable de faire quelque chose dans le chaudron, Gino? Ben pourquoi pas. On voit l'équipe de Saint-Étienne, c'est quand même pas extraordinaire. Hein. On a deux clubs pour moi qui se ressemblent vraiment hein, sur ces dernières années sportivement. C'est l'adversaire le plus faible qu'on joue cette saison. Oui, on est dans un déclassement de ces deux entités du foot français hein, depuis des années. Et on a des profils de clubs bon, qui se ressemblent un peu, je trouve, avec un projet de jeu qui a du mal à être conçu. Puel avait plutôt opté pour la jeunesse l'an dernier. On a vu que ça a été très compliqué. Il s'est remis un peu à remettre des cadres qui ont un peu sauvé un peu l'ensemble par moment. Mais c'est une équipe qui est assez instable. Donc, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas une chance de faire quelque chose à Saint-Étienne. Encore qu'il va falloir mieux préparer le match. Pas faire la première mi-temps qu'on a faite, hein, parce qu'on l'avait vu l'an dernier, on avait pris une salade à Saint-Étienne, alors que c'était pas un grand Saint-Étienne. Hein. Moi, je me rappelle du match de l'an dernier, ça faisait mal hein, quand même d'être aussi à la rue que ça. Donc, il faudra quand même être beaucoup plus que ce qu'on a vu, parce que sinon, ça sera encore une désillusion. Et moralement, je pense qu'on va commencer à subir les choses. Et attention, parce qu'au niveau mental, ça sera compliqué. Mais a priori, moi, je vois pas pourquoi on irait à Saint-Étienne en baissant la tête, vu l'adversaire qu'on a en face. Très bien. Joe, ce match, tu le vois comment? C'est difficile de se projeter, c'est en fin de semaine. Ouais, même après, je rejoins Gino sur le fait que Bordeaux-Saint-Etienne, c'est le même combat, c'est deux clubs mythiques qui sont malades, dans une situation financière catastrophique. Saint-Etienne est en vente, au départ, ils en voulaient 100 millions, un peu comme les Girondins, bizarrement, et là, maintenant, ils ont baissé, je crois, les prétentions à 50-60 millions déjà. Ils ont du mal à remplir le stade parce qu'il y a peu de joueurs qui attirent. Les supporters s'attendaient à un mercato calme. Ils n'ont pas été déçus. Puis elle l'avait dit clairement, ils n'ont pas été déçus. Il y a eu les départs de Debuchy, Monet Paquet, Modeste, Cissé et plein d'autres joueurs qui n'ont pas été compensés. Il y a eu des départs surprises comme le jeune Tormin. C'est un offensif qui est très percutant, qui a été très bon en Gambardella avec les jeunes de Saint-Etienne. Et ils le vendent à Niort pour rien, juste avec un pourcentage à la revente. Les supporters ont été hyper surpris parce que c'est un joueur offensif. Jeune, percutant, et c'est ce qui manque actuellement à Saint-Etienne. Il n'a même pas été conservé, donc il se pose quand même beaucoup de questions. Ils ont quand même été un petit peu, on va dire, soulagés par l'arrivée de Ramirez, là, l'attaquant qui est arrivé à la dernière minute du mercato. Un profil un petit peu apparemment à la Cavenaghi, c'est une sorte de. Un joueur qui n'est pas impressionnant techniquement ou quoi que ce soit, mais qui a un sens du butiné et qui se bat et qui peut marquer dans toutes les positions et à tout moment.
Donc, et eux, ils voulaient vraiment l'attaquant, ils l'ont eu. Nous, c'est l'inverse, on a recruté beaucoup de joueurs, mais le seul qui nous manque, c'est l'attaquant. Ils n'ont recruté aucun joueur, et ils n'ont que l'attaquant. Donc, sur le groupe Bordeaux et Saint-Etienne, tu parviens à faire quelque chose de cohérent à l'arrivée, c'est bizarre. Mais voilà, après, non, il y a beaucoup d'incertitudes chez eux. Alors, par contre, c'est comme nous, ils ne lâchent pas l'affaire. Ils sont menés, mais ils reviennent. Lorient, ils sont revenus. Marseille, ils sont revenus. Lille, ils sont revenus. Contre Lens, ils mènent deux fois au score. Par contre, ils se font revenir à chaque fois. Donc, ça peut être un match, par contre, très intéressant. Beaucoup de buts, beaucoup de spectacles, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de temps faible dans ces équipes-là. C'est un système un peu en 4-3-3, de ce que j'ai vu à part sur le dernier match, où ils sont plutôt en 4-2-3-1. Mais voilà, je pense que nous, avec nos pistons, on peut leur faire mal. Si on joue avec le système de pistons, ça peut être intéressant. Après, c'est pareil, c'est notre milieu de terrain. Il faut qu'on trouve vraiment un milieu de terrain très, très, très intéressant et compact. Alors on arrivera à planter un ou deux buts si on a ces pistons et ces milieux de terrain qui sera avec ces pistons qui seront très offensifs et ce milieu de terrain qui sera présent. Si on arrive à gagner au milieu de terrain, ça devrait le faire, mais je suis quand même très inquiet. Pour moi, si on perd ce match-là, là, il y a urgence. Urgence en termes de résultats, clairement. Peut-être pas. Comme l'a dit Petkovic, on n'a plus le temps. Il a parlé de Franck Sergio, on n'a plus le temps. Hein. Là, ce match-là, tu perds ce match, alerte. Mais alerte vraiment rouge. Voilà, donc victoire obligatoire. Et est-ce qu'on a les moyens de le faire? Grosse question. Voilà, c'est juste ça. Sam. Alerte vraiment rouge, je ne sais pas. Je pense encore que moi, avant la 10e journée, il n'y aura pas d'alerte rouge-rouge. Mais bon, si à la 10e journée, il n'y a pas de victoire, là, ce sera plus que l'alerte rouge. Hein, mais ce sera compliqué. Je pense que c'est l'équipe la plus à notre portée qu'on va jouer cette saison depuis les 6 matchs. Voilà. Je pense que les 5 autres équipes qu'on a jouées étaient largement au-dessus de nous, étaient un cran, deux crans, voire trois crans au-dessus de Saint-Etienne pour certains. C'est une équipe... moi, c'est une équipe qui me fait beaucoup de peine parce qu'il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien déjà dans cette équipe. Wabi qui était chez nous, Bouanga, qui est un joueur que je suis beaucoup et que j'adore, effectivement. Même, voilà, il y a même, je me rappelle l'an dernier... Il est critiqué par les supporters de Saint-Etienne et ils disent « Ah, le mec, c'est pour voir un contrôle raté de Bouanga, j'ai entendu, c'est pour venir au stade, c'est pour voir le contrôle raté de Bouanga. » Tout ça, il se fait démonter en ce moment par les Stéphanois. Parce qu'il n'est pas, Bouanga et Kazri, c'est les mêmes à ce niveau-là, c'est qu'ils sont plus, ils ont montré qu'ils avaient les qualités et aujourd'hui, ils sont dans un collectif qui est beaucoup trop inexpérimenté, beaucoup trop faible pour briller. D'où le fait que je pense que c'est le match où on peut être le plus intéressant parce que si on arrive à couper le danger qui vient principalement d'eux. Je me souviens le match notamment face à Lens, justement Saint-Etienne-Lens, enfin Lens-Saint-Etienne où justement ils marquent deux fois et ça vient d'eux. Si on arrive à couper le danger quand ça passe par eux, je pense que derrière on peut mettre en faire du mal à cette équipe Saint-Etienne. C'est de tout ce mois, c'est le meilleur match pour se remettre en confiance et se mettre la tête à l'endroit. Je pense sincèrement que Montpellier-Rennes derrière, c'est vraiment pas insurmontable. Encore une fois, moi, je pense que si Bordeaux, et c'est pour ça que je comptais vraiment sur la trêve pour ça, si Petkovic arrive à mettre quelque chose en place rapidement intéressant, avec toutes les équipes qui se sont, qui ont changé pas mal de joueurs, il y a eu beaucoup de départs, etc., qui sont aussi en rodage, il y a l'occasion d'aller prendre des points contre ces équipes-là qui sont censées être notre championnat, c'est-à-dire de la 5e à la 10e place. Et donc pour moi, c'est un vrai match test, et c'est un match vraiment, tu l'as dit, moi je dirais pas un match à 6 points, je dirais c'est plutôt un match, c'est un match où on joue notre tête, entre guillemets, dans le sens où, pas notre tête en Ligue 1, mais notre tête, notre morale, et ce qu'on va avoir après derrière. Si on est capable aujourd'hui de faire du mal à ce genre d'équipe, on sera capable de faire du mal à des équipes supérieures. Si, et c'était le cas notamment en fin de saison, si Saint-Etienne est une montagne insurmontable, alors là, effectivement, ça va être très long. C'est plus pour ça que je dis ça, c'est pas par rapport à on a que la 6e journée, c'est pas dramatique, mais tu perds contre Saint-Etienne, qui est vraiment dans le mal et dans le dur, qui est depuis des mois, et plus ça va, plus c'est compliqué pour eux. Et tu vois, pour revenir au débat du début, Joe, Petkovic, s'il se rate sur son entame de match contre Saint-Etienne, là, ça va faire mal. Déjà que j'étais pas très heureux au début, mais au début, on laissait couler. Que j'étais pas très heureux hier, parce que hier, j'estimais qu'il avait eu le temps de le bosser. Là, tu te rates contre Saint-Etienne qui, voilà, en termes d'organisation, même si Puel est quand même un fidèle à ses principes, mais bon, c'est quand même friable. Si tu te rates là, par contre, on va commencer à s'énerver. C'est inquiétant. Mais c'est ça, parce que tous les arguments que tu as eu pour dire nous, on peut battre Saint-Etienne parce qu'ils sont au fond, etc. Je pense que Stéphanos dit la même chose de notre côté. Exactement, tout à fait. La problématique est là aussi. On a un lien fraternel, enfin, les tribunes ont un lien fraternel entre Bordeaux et Saint-Etienne. Je peux te dire, c'est ça qui est sportivement aussi. Hein. Sportivement aussi.
club qui est en train d'être vendu. Il y a 4 équipes de Ligue 1 qui n'ont pas gagné un match cette saison. Mmh. Brest, Bordeaux, Metz, Saint-Étienne et Bordeaux. Et bon. Les 4 derniers, quoi. C'est beau. Et Saint-Étienne... Non. Trois matchs nuls, deux défaites. Et les Saint-Étienne et Bordeaux restent sur 2 défaites consécutives. Ouais. Donc, c'est les deux équipes qui sont le plus dans le mal aujourd'hui dans ce championnat. Donc, c'est vraiment un match à ne pas rater. Gino, tu veux ajouter quelque chose là-dessus avant qu'on conclue ? Non, mais je pense qu'on a tout dit. On espère qu'on aura une belle réaction en tout cas d'équipe et que ça sera bien mieux que ce qu'on a vu ces dernières semaines, en tout cas sur ce dernier match contre Lens qui n'était pas du tout abouti en première mi-temps et qu'on aura vraiment une belle première mi-temps déjà pour bien rentrer dans le match et une rencontre bien plus aboutie quoi, parce qu'on a besoin vraiment de prendre des points, de se mettre en confiance. Ouais. Conan, des questions des spectateurs, des sociaux qui nous regardent et qui nous soutiennent pour avant de rendre l'antenne à Cognac G, nos amis. On est en mode 72 là. Et je me suis dit, et là je vous ai regardé, bon, il y a peut-être Samuel qui connaît. Le soir d'histoire, c'est Dominique Baïf que vous connaissez. Ah oui, je le salue d'ailleurs. Il m'a fait cette vanne il y a 6 mois, 1 an. Ah, mince. Et je suis resté en le regardant, Cognac G. Je connais pas cette marque, moi. Je l'ai jamais bu celui-ci. Et du coup, il m'a expliqué. Voilà. Et donc, du coup, je n'avais jamais. C'était pas mon époque, mais j'avais jamais fait le lien que c'était l'endroit où il y avait les radios. Quoi. Non, toi, voilà, c'est plutôt la plaine Saint-Denis, c'est ça, Samuel. Ça te parlerait plus si on te dit à vous la plaine Saint-Denis, c'est ça. Ah, nous, c'est Boulogne-Billancourt maintenant, tu sais. Ils ont tous déménagé. Mais on est plus proche de Bordeaux comme ça, déjà. C'est à l'ouest. Allez Conan, chauffe-toi la voix, on va se quitter en chanson, donc chauffe-toi la voix. Non, au niveau du chat, on dirait qu'ils ne sont pas rassurés. Il y en a beaucoup qui s'inquiètent personnellement de Cazeri, qui nous a fait mal l'année dernière. Ils le savent, c'est un roublard. Il connaît bien aussi la Ligue 1, il connaît bien Bordeaux. Maintenant, ils s'inquiètent aussi de Costil, parce qu'on n'en a pas parlé Costil, mais des fois, il a des placements qui peuvent faire peur. Hier, il n'est pas là, il n'y a pas. Je ne comprends pas, moi, qu'il est toujours remis en cause, ce gardien. Toujours des personnes qui le remettent en question. C'est l'après Carasso, je pense qu'il peut être toujours ça. Je ne comprends pas. Je comprends pas. En fait, il y en a qui ne sont pas habitués non plus à avoir une équipe qui est une vraie passoire, une équipe. Ouais. Et donc, en fait, pour eux, c'est logique. En fait, le calcul est mathématique. Si tu prends des buts, c'est la faute du gardien. Il ne voit pas que devant lui, il y a 4 peintres qui ne savent pas ce qu'on donne. Oui, et que lui, celui que tout le monde est en train de féliciter depuis hier, Mécher, pour son match moyen, eh bien, Mécher, pour ceux qui veulent le voir, on dira, il a fait des belles interventions. À un moment donné, il fait une intervention, pourquoi ? Parce qu'il y a une tête de Fofana où il a un retard de 10 mètres et que Costil la sort à bout portant à 2-1. Ça, il est reparti. Non, mais voilà. Et pourtant, non, mais ceux qui me connaissent depuis qu'il est arrivé à Bordeaux, Costil, je ne suis pas un pro Costil, moi. Mm. Mais. Qu'on me dise pas grand chose sur ces matchs depuis qu'il est là, hein, parce que depuis les saisons, pardon. Oui, il n'y a pas être pro ou contre, quoi. On voit ces matchs, quoi. Donc, il est régulier dans ses performances. Bon, c'est mon avis, je peux me tromper. Hein, Il se fait allumer le pauvre à chaque fois. Il continue à nous en sauver quand même, hein. Ça, il n'y a pas à le dire. Mais bon, après, au niveau des pronostics, malheureusement, à ce que j'ai vu, j'ai pas vu beaucoup de buts en fait qu'on marquerait. J'ai surtout vu on espère gagner 1-0. Vos pronos, là, sur le chat, demande vos pronostics pour ce match. Allez, Gino. Allez, 1-2 pour les Girondins. Sam. J'aime pas de... un partout. Nul, hein. Non, mais surtout, moi, en fait, quand je donne un prono, ça se passe pas. Donc, je peux pas parier contre Bordeaux. Non, je peux pas parier contre Bordeaux. Je peux pas donner la victoire, sinon on va pas gagner. Donc, je dis match nul. D'accord. Joe, il est bon en pronos. C'est le meilleur d'entre nous, je crois. Ce qui m'inquiète, c'est les matchs de l'année dernière contre Saint-Etienne où on prend 2-1 et 4-1, où on est complètement largué. J'ai l'impression que, je me rappelle que nous, l'an passé, on les avait relancés. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, quand ils gagnent chez nous, ils étaient à la rue complète et ça les a relancés. Ouais, oui, je sais qu'ils nous aiment bien pour ça, ça arrive souvent. Donc moi, j'ai peur d'une défaite, clairement, là-bas. Je vous dis sincèrement. Ah ouais. Et si on perd là-bas et surtout qu'on rate, et je pense qu'on peut rater le match. Justement, Joe, comme on l'a fait. Cette année, il nous renvoie l'ascenseur. J'aimerais bien. Ils nous relancent. Derrière nous, on les a relancés. Là, c'est l'inverse. Le problème, c'est que je vois pas comment nous, quand j'ai dit depuis en intro, quand on dit dans mes enseignements, je vois pas nous quand est-ce qu'on aura les moyens de gagner un match. Pour l'instant, je les vois pas les moyens. Donc, j'espère être contredit. Hein. Mais Saint-Étienne nous aime bien et nous, pour l'instant, le foot, on n'aime pas beaucoup. Hein, donc, dès qu'on parle de foot, c'est compliqué. Donc,
Donc ouais, j'ai peur qu'on se... De toute façon, d'accord, je sais que défaite, si on alors. Prend un but en premier, on va en prendre deux ou trois derrière, hein, de toute façon. Donc, mais voilà. Non, mais non. Bon, moi, je pense comme toi, Joe, en fait. Donc, aujourd'hui, j'arrive pas à être positif. J'y arrive pas. Ouais. J'ai beau essayer. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'on peut être plus dangereux qu'eux, hein, en termes de. De... Et puis, je connais pas bien Saint-Etienne, donc je vais pas me. Ouais, je qu'on a en stock, pour moi, on a les moyens. Si Petkovic aligne des bons joueurs, on a moyen d'être plus dangereux qu'eux, quand même. Ouais, ça va dépendre de ça. Faire le puzzle, en fait. Et ça, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire un puzzle cohérent, en fait, du coup, avec tout ça. Donc, ouais. Malheureusement, tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose derrière, eh ben, t'as pas d'équilibre, tu te fais découper en deux et puis dans, c'est réglé. Dans mes souvenirs, le premier match de Bagnan quand il est avec Rennes, je sais pas si c'est le premier, mais il y en a un qui est contre Saint-Etienne, il est extraordinaire. Donc, ah, on va le signer là, mercredi il signe. Samedi il joue. Il nous claque un triplé, quoi. Il nous claque un triplé, dans deux mois, il a fait... C'est le seul de l'année. Non, et son dernier match officiel, c'est le 5 mai. Hein. Je vous le dis ça. Hein. C'est le 5 mai, c'était à Al Ahly. Ah, il nous faut un joueur prêt d'entrée, sinon ça sert à rien. Voilà, voilà. Donc, ouais, après, est-ce qu'il sera prêt? Bon, on en est non, pas encore là. Il a joué que 5 matchs en Arabie Saoudite. Hein. J'ai regardé, il a fait 5 matchs. Ouais, c'est rien en Arabie Saoudite, donc... Ouais, je sais pas. Allez, Conan, ton pronostic? Mon pronostic pour moi, il est de 1 partout ou 2-1 pour Saint-Etienne. Ok, bon, très bien. Merci, Conan. Bon, Conan, tu veux pas nous pousser la chansonnette comme on a appris que tu chantais dans les émissions, là, un petit truc? Ah, mais comme je t'ai dit, le truc, c'est qu'il me faut la mélodie. Et je m'entraîne, quand je m'entraîne, c'est pareil, je mets du karaoké. Et j'ai tu veux que j'attrape la guitare, Conan? On peut pas, on peut pas avoir une mélodie, là, ou un truc. On peut pas avoir quelque chose, là. C'est quoi la chanson? Quelle est la chanson? Comme je t'ai dit, par exemple, celle que j'ai faite, Toujours debout de Renaud. Renaud. Ouais, vas-y. Ouais, non, j'ai entendu Renaud avec un dépit dans ta voix. Non, parce qu'au virage sud, il y en a une de Renaud, c'est Hexagone, où ils chantent, ils reprennent l'air d'Hexagone et. Voilà. Et ouais, si je suis un peu plus dedans, parce que le souci, c'est que j'ai pas une voix de chanteur. Mais avec la musique, ça peut être mieux passer. Voilà. Attends, tout le monde reste connecté pour t'écouter chanter. J'adore, parce que depuis tout à l'heure, il n'a pas réussi à aligner deux mots, mais en gros, ça veut dire qu'il ne va pas le faire. C'est vrai? Tu crois? Tu crois qu'il ne va pas le faire? De quoi? Que je ne vais pas faire l'émission? On l'aura, si, l'émission, tu vas la faire. Le chant, là, tout de suite, je pense pas, mais je pense que, justement, le chant, on y aura droit sur France 2. C'est comme les artistes, lui. Il joue que sur les que grandes sur scènes. Scène. Que sur c'est scène. Et par contre, Conan, la veste à paillettes. tu nous mets la veste à paillettes. Tout ce que tu veux. Il y a une chose que j'ai pensé à faire, si je vais sur l'émission, pour la première où tu arrives et tu te présentes, tu as justement, je pense, venir avec la casquette et faire la petite dédicace à Web Girondin. Ah, magnifique, ouais. Magnifique. C'est bon. Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. J'ai retapé, remis sur pied. Droit sur mes guiboles, ressuscité. Tout ce qui tombe autour de moi, c'est l'hécatombe, c'est Guernica. Tout ce qui tombe, tombe à tour de bras. Et moi, je suis toujours là, toujours magnifique. Vivant. Magnifique, quelle voix, Conan! Bravo, ça, super, magnifique. Ah, j'ai senti les années 80, la mob et tout. Il me tend l'émission. Ça fait très Frédéric Mérité il y a quelques mois. Hein. Oh, bah attends, la chanson, magnifique. T'as pas mal en plus. On est bon. Pas mal. Ouais. Très bien. Je m'entraîne tous les jours super. Quand je travaille, toute la journée quand je livre, j'ai les musiques qui défilent et je m'entraîne. Et je chante. Voilà. Eh ben, c'est magnifique. Bon, ben voilà, on se quitte en chanson. Ouais. Merci à vous, les gars. Une petite dédicace quand même aux filles pour leur match quand même qu'elles ont fait mercredi. Ouais. J'ai cru jusqu'au bout, j'étais dégoûté à la fin. Magnifique. Mais ouais, ce match, elles m'ont vraiment surprise et du bon côté. C'est exceptionnel. Niveau pour cette Coupe d'Europe, malheureusement, c'est dommage que tirage au sort n'ait pas été favorable, mais elles m'ont bien fait vibrer. Ça faisait longtemps que j'avais pas vibré avec le maillot des Girondins. C'est vrai. Tu vois, donc, mais. Et le dernier but à la fin et tout, j'ai sauté. Extraordinaire. Le troisième but est extraordinaire. Hier, j'ai vu, grâce à notre ami Patrick qui me fait suivre dorénavant tous les matchs des Girondins. Des Girondines pour le coup. J'ai vu qu'on a subi le même scénario chez les garçons et chez les filles
à quelques minutes d'intervalle avec le but cruel, le pénalty cruel dans les derniers instants. Quoi. Ouais, malheureusement. Dimanche de merde, quoi, voilà. Ouais. C'est ça, on les salue, on leur souhaite du courage. Allez, autant qu'à tous les supporters des Girondins. Allez, messieurs, merci d'avoir participé. Prochaine émission, c'est samedi soir pour le débrief à chaud. Je pense pas que jeudi on fera une émission, on verra. C'est samedi soir, débrief à chaud, 23h. Attention, un match à 21h, hein, c'est la première fois. Hein. C'est pas le premier samedi du mois. Donc. On voit ceux qui rigolent, ceux qui connaissent. C'est mon employeur, moi, donc. T'es resté le plus sérieux. Moi, j'ai découvert des choses grâce à ça, tu sais. Je connais la grille des programmes. C'est bien, c'est bien. J'ai découvert la vie. Le cours des VT, ça servait à rien à côté, je te jure. Ah là 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 là. Allez, les gars, salut à tous. Merci de nous avoir suivis. Le générique des sociaux. Alors, je dis à Iben qui regarde, il s'est mis sociaux il n'y a pas longtemps. J'ai pas eu le temps de faire la mise à jour entre ce week-end et aujourd'hui, mais la mise à jour sera faite dans la semaine. Voilà. Allez, salut les gars, Club des 5. Allez voir le replay d'hier du Club des 5. Il y avait Samuel qui était là au replay. Ouais. Et samedi on fera Bordeaux-Saint-Etienne aussi. Ah ben voilà. Ah, où on sera en concurrence. Ah mince. Non, parce que nous, on le fait. On commence par les autres championnats. Donc, tu vois, c'est. Très bien. Donc, ce qu'on fera, ce que je ferai, Samuel, dès qu'on finira le débrief sur Web Girondin, je leur dirai. Allez sur la chaîne du Club des 5. On se mettra en live avec lui directement. Et allez-y, parce que allez-y, moi je fais la même chose que vous, parce que c'est le samedi, je serai très certainement chez moi. C'est pas idiot. Quoi ? C'est le samedi, quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Le samedi, je suis souvent chez moi, mais c'est pas moi qui présente les émissions du samedi. Ah mince, bon. Et là, si je viens juste pour Bordeaux, ils vont me dire que je suis motivé que quand c'est les Girondins. Donc, Si c'est Girondin qui gagne, ça peut le faire, ça peut passer. Ouais, j'arriverai, ouais. Je ferai le striker du coup. Allez, salut les gars, j'envoie le générique, bye bye. Salut. Ciao, salut bonsoir. À tous, merci. Ciao, ciao. Envoyez du like, abonnez-vous et merci aux sociaux. Ciao.